Et moi, je vous passe là. Et du coup, vous avez rien parce que j'ai oublié de faire un truc. LOL. Capture d'écran. Allez! On va se faire un petit France pour commencer. Du coup, pas de musique, tant pis. J'allume. Sombre, disons. Hop là. Ah, il faut que je change aussi. Bon, finalement. Là. Finalement, on fait du géo. Yes. LOL. LOL. Walou walou. Sur son chapeau. C'est bien d'avoir GeoGuessr. Je vais faire Invite Your Friend au cas où. Vous voulez me rejoindre. La copie. Walou. Allez, start the game. J'ai fait France, hein, je crois. Ah, ça oui, ça c'est la France. À gauche, juste là. Je crois qu'il y a une statue. Pour les morts ou je sais pas quoi. Soldats. Ou... Avec tous les noms et tout. Alors. Déjà, on est dans un trou paumé. Il y a des affiches là-bas. La Tennessee. Oula, ça a l'air coquin cette image. Je l'ai pas. Heureusement, le GeoGuessr l'a flouté pour moi. Saint-Julien? Ouais, Saint-Julien, il y en a un peu partout. Saint-Julien le con. Saint-Julien le connard! Lussache, Auchet, D. Bon, il y a des D, mais quand on ne sait pas dans quel département on est, ça nous fait de belles jambes. Chambon. Sur Vienne? Après, ça peut être sur pas mal de choses. Chambon. T'as Chambon, dis donc. Qui veut un peu de Chambon? Bar, restaurant, rénove, bat. On n'arrive juste pas à avoir le numéro de téléphone. C'est dommage, ça pourrait nous donner un quart de France. Sud-Est, Nord-Ouest. De la Creuse. Ah! Radiothérapie de la Creuse. Donc la Creuse, c'est déjà par là. C'est chez mon frère, ça. Il s'appelle Julien le connard. Ce gros connard. La Creuse. La Creuse. Comment s'appelle la ville de la Creuse? Uzerche, c'est vraiment français ça? Uzerche. Souterraine, la souterraine. Quand on creuse, c'est la souterraine, ça se tient. Et je sais que c'est dans le coin, mais exactement, je sais plus trop où c'est. Boulazac. Ah, mais il y a le nom de département, je suis con. Non, c'est pas noté. Oh, c'est par là, quoi. Tu veux jouer, Linou, du coup? Sors là, la Canada. Canada. Canada! On va dire que c'est par là. Ah, si je trouvais la souterraine, là, je serais sûr qu'on est. Villefranche. Oradour-sur-Glane. Oh, quel triste lieu, Oradour-sur-Glane. Non, pas cette fois. Dommage. Tu connais Oradour-sur-Glane ou pas? Triste lieu, Oradour-sur-Glane. J'y suis allé, c'est assez impressionnant. Oui. Je suis quasiment sûr que c'est dans le coin, la souterraine, bordel de cul. Clermont-Ferrand, je suis trop loin. Pas du tout. Je peux pas mettre sur pause le truc, c'est dommage. Oradour-sur-Glane, c'est un village qu'on a décidé de garder pour. Ah, attends. Ah non, c'est moi qui ai lu un truc. Pour. Comment? Pour se rappeler l'horreur de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les nanas d'Allemagne, ils ont eu, en fait, ils ont voulu montrer l'exemple et à Oradour-sur-Glane, ils ont vraiment tout cramé.
Ils ont enfermé tout le monde dans l'église, après ils ont cramé l'église et tout ça. Et du coup, en fait, les Français ont décidé de garder ce village en souvenir, tu vois. Pas en souvenir, pas en bon souvenir, mais justement pour se rappeler, en fait, pour ne pas oublier. C'est un peu étonnant vu la situation actuelle, mais. Et en fait, t'as encore genre la cloche de l'église qui est fondue et qui est tombée au sol. T'as encore des maisons qui sont encore plus ou moins sur place. Puis, tu sais, il reste plus grand-chose, mais il dit, bah là, il y avait la boulangerie, là, il y avait machin. Puis tu t'imagines vivre. Ah, pas ouf, mais ça doit être intéressant à visiter. Ouais, c'est ça. C'est chouette à visiter. J'étais petit hein, quand j'y suis allé, mais c'est vrai que j'ai gardé pas mal de. Là, je suis paumé, hein, clairement. En plus, j'ai perdu du temps avec cette histoire d'Oradour et de Creuse. Normalement, je suis dans la Creuse vu l'affiche que j'ai vue, mais ça m'aide pas parce que, comme un con, je sais pas où c'est la Creuse, bordel de. La petite piscine là. Il faisait beau ce jour-là. Ça se met bien. Il y a un beau soleil là. J'avance, mais en 1 minute, j'y crois pas des masses. Tu sais quoi, en fait, j'ai plus de chance à vraiment trouver la souterraine là-dedans. Mais c'est où la souterraine, bordel? Je suis sûr que la souterraine, c'est dans la Creuse. Mais c'est si petit que ça pour pas apparaître là? C'est trop bizarre. Saint-Junien. Après Saint-Julien. Boulzazac. Casteljaloux. Dôme au Camadour. Ouais, non, je sais vraiment pas où c'est. Hein. Maniaque. Que les trucs en acribérac. Tocane Saint-Apre. Champagnac. C'est pas la Creuse, ça. Si? C'est où? Il y a la souterraine dans le coin? Montluçon? Ça, c'est la Creuse, ça? Y a pas le nom des. Attends, Guéret. Je passe par là, moi. Bétette. Dora, le Dora. Ouais, je passe par là, moi. Montluçon pour aller sur Poitiers, je passe par là moi. Angoulême, Poitiers doit être là. On passe si bas pour aller là-bas. Guéret. Ah la souterraine, bordel de cul là. Ah ouais, donc la Creuse c'est en plein centre comme ça, je pensais pas moi. Gouzon, l'homme Gouzon. Bon, j'ai presque 2000 points, écoute. Avec Toury. Alors, c'est parti. Bain de bagne, de beignet. Un bain de beignet? Qui veut prendre un bon bain de beignet? Qui veut se baigner dans le bain? Ah, Rennes! Ça, je sais où c'est. Ok, maintenant la D92. D92 et A94. On doit pas être si loin de Rennes parce que c'est un panneau blanc. C'est bien sûr Rennes là, hein, y a pas. 92, 92. Eh ben, déçu là. Je suis perplexité. Ça peut venir d'aussi loin? Moi, quand c'est un panneau blanc, c'est vraiment pas loin. Hein. Une question de distance. Hein. C'est de la petite roue. C'est la petite roue route de campagne. D92. D31. Bah merde. Je pensais que ça allait m'aider. J'avais quoi? Soulevache et château quoi? Châteaubriant. Soulevache. Ce nom extraordinaire. C'est bien ça, hein? Je suis pas gouré. Soulevache. Je vais vérifier tellement c'est étonnant. Soulevache, Chanteloup, machin loup, don loup. Me revoilou, mes cacahuètes. Bah, du coup, je suis obligé de leur mettre. Hein. Petit poète.
pointe. Le voilà faisant des pirouettes. Il est beau, il est chouette, mais où il est. C'est mi-cacahuète. Pourquoi j'ai parlé des 92 là? Ça m'agace. J'en avais une autre D quelque chose là. D53. Pourquoi il a pas marché le merci? Pourquoi il a pas marché le merci? Merde, bon, Yoran il. Bah pourtant si. Connect to OBS. Connect to Twitch. Bon, attends, je vais le mettre moi-même. Et c'est pas normal. Merci. Ouais, c'est bizarre là. Ouais, je vois même pas d'où ça peut venir, enfin bref. Putain, je perds un temps fou, la D53. D53 à côté de Rennes, il doit pas y en avoir 10 000, non? Il y a que des 700 757 là. Oui, il y a un autre Rennes. Je trouve qu'il y a un autre Rennes quelque part en France. Plus petit. Genre un tout petit bled qui s'appelle Rennes. J'aurais bien dans l'os. Faut qu'on reste dans le même département. Ouais, non, mais là, j'ai fait tout le département là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de D92 ni de D53. Ah! Ah, j'avais pas assez zoomé. Vas-y, on retourne autour de Rennes. Ok. Ah, je pensais pas que ça pouvait apparaître si proche, tu vois. Alors, 92, il reste plus du tout de temps. Ah si, 2 minutes quand même. Allez. 92, là. 92. Donc, le croisement D92 et D53. Ça peut se trouver. Ça peut se trouver. 80. Elle est longue la 92? Bah non, il n'y a pas de D53 là. 92. 92. Allez, on y croit. 92, elle fait quoi? Ça arrête là, non? Ah non, elle descend encore, là. Ah. 92. Couillère. Couillère. Clique là parce que ça me fait rire. 53. On est à l'alleu. L'alleu. On est pile poil là. On est là le. On est vraiment pile poil là, je crois. L'église. Cinquante-trois qui passe comme ça. 92 qui arrive d'ici, non? Ça marche, ça, non? On est là, je crois. Il y a un triangle? Hein? Ouais, on était là. C'est ce que je pensais. Moi, j'ai perdu 2 points. J'aurais dû me faire confiance. Ok, on a trouvé! On n'y croyait plus. J'y croyais plus. Personne n'y croyait. Si je relance Yoran, là... Connect to Twitch. Blablabla. Ok, et maintenant on fait ça. Mais je me suis dit, bah, ah, c'est bon, bon mais, ça remarche. Mais, comment c'est possible d'être aussi doué? Bon bah désolé, hein, Mika, tu as subi un bug. Mais attendez, vous avez un talent fou, mais vous savez ça. Vous savez ça, bordel, merde, putain, là, oh. Tu sais ça, ok, merde. Bon, je vais mettre la musique, puis tant pis si pendant le replay, ça va être bloqué, et puis voilà.
Oh, ça a changé de visu. Je suis sûr que ça change grand chose pour autant, mais. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive, mais en plus le run avait l'air d'être bien lancé, puis en fait non. Pas compris pourquoi. Sans musique, ça fait bizarre quand même. Allez, suivante, toujours en France. Heureusement qu'il y avait Rennes, hein, ça nous a bien aidé. En Brie. Brie. Merde. Brie, c'est où? La zone du Brie, c'est pas dans le coin? Je sais plus où c'est fait le Brie. C'est un putain de. 9 Moutiers en Brie. Fontenay, Tressigny. Grette Tournant. Nous sommes à. Châtre. À ne pas lire de travers. À ne pas lire trop vite. Eh ben. On n'est pas sorti du sable. Oui. On n'est pas sorti du sable. Ouais, le Brie. C'est où le Brie là? Dites-moi où c'est le Brie. Oh, chouette la maison là. Elle a l'air chouette. Est-ce qu'on la voit mieux d'ici? Pas du tout. Monsieur, votre maison est très jolie. Au revoir. Mec, il se bat en courant, tu sais. Eh monsieur, votre maison est trop jolie. Vas-y, poubelle. Qu'ils disparaissent une fois que j'arrive là. Ouais. Oh ouais. Nous sommes dans la ville de Interdit. Interdit. Ça ne met... Mais attends, mais c'est pas une... Ah non, je croyais que c'était une éolienne. C'est pas comme si ça m'aurait aidé, hein, mais... Et là, c'est pas marqué... propriété de telle ville. Il y a beaucoup de bris en France. Il y a beaucoup de bris. On fait beaucoup de bris. Parce qu'on fait des manifs, il y a beaucoup de bris. Il y a beaucoup de... Non, mais il y a une zone de bris... Il y a une zone où on fait le Brie et tout ça, et tout s'appelle machin en Brie. Joue, désert, matour, viré. Les Crozets, c'est moi, il y a une ville qui se... Les Crozets, c'est une sorte de petite patte de chez nous, ça. Un petit truc carré là, c'est pas mal. J'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs en Brie ou quelque chose de Brie. Chemise. Je trouvais que c'était par là le Brie. Il y a deux zones. En Brie, il y a deux zones. La ville de Brie. Il y a une ville de Brie normalement. Rioz. Oh, Bussing. J'en ai marre, Bussing. Oh, Bussing. Semousse. Il y a de ces noms extraordinaires en France, quand même. Saint-Julien, quoi. C'est pas Saint-Julien en Brie? C'est le seul indice que j'ai, alors voilà. Tonnerre, tonnerre. Il y a vraiment une ville qui s'appelle Tonnerre, quoi. Ah, à cette hauteur-là, je peux avoir quand même pas mal de noms. Il n'y a pas un truc en Brie, quelque part? Là, on est dans l'Aube. Trop là. Ça, c'est peut-être vers le sud alors. Le Puy. Murat. Tonnerre de Brest. Tu es en Normandie. Même pas. Rocamadour. Y a rien qui s'appelle Brie. J'en ai marre, moi. Mon Luçon. Descartes, Loudun. Je connais tout ça, mais il n'y a pas de truc en Brie. J'arrive plus à savoir si on traversait les trucs en Brie. C'est le seul indice que j'ai, en vrai. J'ai cliqué où? Ah, ouais. La caméra est une sorte de flou là. J'ai l'impression que c'est mon œil qui a un problème, c'est énervant. Aussi joli tout plein. On va tenter par là.
au pif. Au pifomètre. Complètement au hasard. Je sens qu'on s'enfonce dans les quartiers résidentiels, ce qui n'a aucun sens. Aucun intérêt. C'est fort mignon. Mais oui, c'est fort mignon. On va aller tourner à gauche. Suivre les flèches. Comme dans les jeux vidéo, tu sais. Les jeux de course, c'est toujours des grosses flèches comme ça. Ah non, mais ça on savait déjà. Ah, Val de Briard. Mais ça m'aide pas ça, bordel. Briard, c'est où Briard? J'en sais rien. J'en sais rien. La vie, c'est de la merde. Ça, c'est un 06. Pourquoi il a un 06? S'il avait pas un 06, je pourrais savoir. Quelqu'un peut aller sur le site, là? Béton, wrcbeton.fr. WRC, c'est pas ça déjà, c'est les courses, ok? Alors tu te calmes. Hein? Tout le monde se calme là. Eh, mec, il a racheté une camionnette de la poste. Eh oui, parce que les camionnettes, quand la poste en veut plus, ils les vendent. Mais sauf qu'ils gardent cette couleur jaune caca. Toiture 0601. Mais non, c'est à côté de Paris, putain. Quand j'ai vu 01, j'aurais été prêt à cliquer là. C'est là où les trucs en brie? Tournant en brie? Presle en brie, Marle en brie, bah voilà, c'était à côté de Paris, putain, je viens d'apprendre un truc là. Qu'il y a en France. Tu regardes sur la map les bris qu'il y a en France. Oui, mais je peux pas faire de recherche là. On serait cheaté, tu mets le nom de la ville. Hein. Putain, je pensais pas que c'était à côté de Paris par contre. C'est pour ça que c'est un fromage dégueu. Lol, c'est pas vrai, en plus j'aime beaucoup le brie. Bon bah ok. Sur Google. Ouais, mais j'ai pas le temps de Google là. Je suis un fou moi. Alors Calais A16, ça va aller vite ça. Calais A16 et ensuite on a la D943 947 943. Ok, et ça indique tunnel. Ah vraiment tunnel sous la Manche quoi. Hard, on est vraiment au niveau du tunnel sous la Manche, donc on doit être pas loin de du bord de l'eau logiquement. 943 943. Ouais, on peut être par là. Éventuellement, est-ce qu'il y aurait une autre route? Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très très vite. Genre là, on a la D224. D224. 244, dommage. J'y ai cru. Tout le monde y a cru dans le chat. Vous étiez là. Hey, c'est là! Et en fait, non. Pas du tout. 224. Oui, qui vole 224. Prends sa voiture et roule jusque chez moi et c'est là. Ben voilà, heureusement c'est là, donc on est là. Et on est plutôt, si je regarde sud-est, on va être ultra précis. Si je regarde sud-est, j'ai tout le carrefour. Sud-est. Donc je suis là. Vas-y, on guess. En 30 secondes. Non, en 1 minute 30, pardon. Oh allez, 5000 points, 6 mètres, oh yeah. Pour te rendre compte, je vais regarder, t'as raison. Mais comment tu as fait sur... attends. Sur Google, t'as tapé quoi? Tu fais Google Maps, et t'as tapé Brie. J'ai éternué. Déjà, Brie, ça existe ou pas? Marie de Briller, c'est pas un Brie, ça. Alors, il y a Brie contre... Vas-y, Brie tout court. Ah non, ça n'existe pas. C'est sûr qu'il y avait une ville qui s'appelait Brie. Brie contre Robert. Ouais, ça me rappelle autour de Paris, quoi. Et j'arrive pas à chercher tous les bris en même temps. Enfin, genre j'ai... Si je tape bris en haut, il me donne... Il va me trouver toutes les... tous les noms propres et machin, pas forcément les villes. Enfin bref. Je te crois. Le bris. Gwenhiver, coucou! Comment ça va, Gwenhiver? Content d'être là ou quoi? À la base, je faisais du What the Golf, mais c'est un jeu qui, au bout d'un moment, m'a un peu ennuyé.
Donc je lui dis bah la classique on fait du jeu ça. Ouais, ça va, je pète le feu. Nous sommes sur GeoGuessr comme l'autre fois. Non, tu sais ce que c'est. Toujours en France. Ah, ça, c'est un indice, vous voyez. S'il y a ça, c'est qu'on est là. Regardez. Là, exactement. Je guess. J'avais pas envie de le faire, je crois, celui-là. Allez, View Summary, j'ai fait... Je reconnais ce célèbre tuyau. LOL. Allez. C'était La Rochelle. C'était... Non, c'était... c'était Ponce. C'était Guémozac. Le fameux tuyau de Guémozac. Comment je... J'ai pu oublier ça, je veux dire, à un moment donné... je voulais voir s'il y avait genre exactement genre Haute-Savoie. Ah ouais, vas-y, je fais Haute-Savoie. Laissez-moi. Ça se trouve, on va tomber sur un truc, je vais faire... Bon bah c'est là. Mieux que ce que je viens de faire. C'est-à-dire que cette fois, ce sera vrai, quoi. challenge. Si vous voulez me rejoindre. C'est par là. Il y a des annonces. Allez, go, start game. Mary. Bonne nuit, route de marinier. Ok, comme ça, ça me dit rien. J'ai hâte de tomber sur un décor où tout de suite je connais, tu sais. Bon, déjà, ça ressemble à de la Haute-Savoie, clairement. Alors, il n'y a aucun doute possible. Il me met directement là. Petit côté presque suisse, parfois. Les contamines, ouais, les contamines, il y a 10 000 trucs qui s'appellent les contamines dans le coin. Il n'y a pas de lac. Ce qui est plutôt rare en Haute-Savoie. En soi. C'est quoi, c'est un dépôt de... une école, sûrement. Un dépôt d'enfants. Ce serait très drôle de tomber près de ta maison. Ah ouais. Je reste dit, bah là, c'est là. C'est chez moi. Et après, vous saurez où j'habite. Et après, il y aura une foule devant chez moi et tout. Ouais. Faut que je déménage. Sauna, bah ils font plaisir là, dis donc. Voilà, Haute-Savoie, c'est quand même assez large. Hein. Chez Beauchu, route de l'église. Hôtel Bellevue, pareil. Il y a un hôtel Bellevue un peu partout. Carrefour, quoi? Ah ouais, vous voyez là? Là, on a une information super intéressante là. On ne voit rien. Direction Cluse. Je connais de nom, mais je sais plus où c'est. Cluse. Je connais la Clusa, ça j'aurais pu le trouver direct, mais la Cluse. Je sais plus où c'est, Cluse. Ah si, c'est pas en direction d'Albertville, fait encore partie de. Ah, c'est à la limite. C'est pas vers Albertville, Cluse. Eugène. Chevaline, bonjour. Je sais plus. La Clusa, on va dire, qui est par là en attendant. Je viendrai réclamer des patates si je passe par là. Ah bah après, vas-y. Hein. On se fera des petites frites. Il y a plein de bons restos là où j'habite. Oh la vache, j'ai eu peur. C'est pas une personne. Je crois que c'est une mamie qui se tenait là en train. Avec les bras en avant de manière trop bizarre. 5000 points sans bouger du spot. Quoi? Comment t'as fait? Sans bouger du spot? Mais par contre, je sais pas comment t'as fait ça. Une mairie, bah oui, mais une mairie de quoi y a le nom? Deux indications sur les panneaux. Alors attends, je vais regarder. Une mairie. Attends, je suis curieux là quand même. Il me reste plus que 2 minutes 50. Quand tu regardes la mairie, t'as eu l'info, toi. Non, juste devant toi.
Quoi ça? Oui, en même temps, c'est vrai que... Bonneville, en plus, je sais où c'est. Bonneville, c'est là. Bonneville, Marigny, j'avoue. Comme c'est des routes qui amènent vers des villes, j'aurais dû regarder ça. J'ai même pas tiqué. Et du coup, ce serait ça? Et du coup, ce serait... ça. Là. Mais t'as raison, pourquoi je me prends la tête? Et là, c'est 5000. Mais c'est vrai! C'est ouf! Eh, t'étais là! T'as joué avec moi, t'es à côté. On a cliqué au même endroit quasiment, c'est trop drôle. Bon, en même temps, la mairie, on a cliqué en face. Moi, j'aurais pas... J'aurais pas mis celui-là à ta place. Vous savez que vous avez... Mais attendez, vous avez un talent fou, mais vous savez ça! Vous savez, vous avez du talent! Merde, quoi, hein? Ça va, ça, non! Merde! Moi, j'aurais mis ça, moi. Oh, le con! Oh, le con, le con, le con! Vigila. Allez, suivant! Je connais ça, je suis sûr! Vous êtes spécialement con! Oh, le débile! Ah, bah, ça, c'est près de chez moi, pour le coup! Quand je vais vriller, je sais exactement où c'est déjà. Il n'y a pas de... Je suis où là, là. Et ce shop, ça me dit quelque chose. Le lien. Quoi le lien? Ah bah voilà, le lien, tu demandes le lien et il y a les liens sur mes réseaux sociaux, c'est ça que tu voulais dire. Ah mais non, mais je sais exactement où c'est. Je sais exactement où c'est. Je vais faire... Attends. Je viens de voir, c'est là, cherche pas, c'est bon. J'avais pas vu le Leclerc. C'est là, exactement, on est là, à peu près. Allez, ça guess, allez, c'est fini, hop là. Même pas 5000 points, parce que j'étais pas tout à fait au bon endroit, mais voilà. J'ai trouvé un endroit que je connais par cœur, oui. J'avais pas vu le énorme. J'ai vu le AFB, je dis bon ok, puis là je tourne la tête, je vois marqué Leclerc en gros, ok c'est bon, je sais où on est. Ah, là c'est la galère. Non, en général, j'ai appris que vous mettez vers le bas que vers le haut, on a plus de chances de croiser âmes qui vivent. Ah, là c'est la galère. Ah, il y a un petit chalet, attention, on va avoir plein d'indices sur ce chalet. C'est un chalet en bois, mon dieu, mais c'est exactement là. Déjà, c'est même pas en Haute-Savoie. Moi, je dis, c'est... ça va être dans ce merdier, là. Sans la Haute-Savoie, tellement de trucs. Ah non, on va être paumé en montagne, mon dieu. Ah, on a peut-être une vue qui peut donner des indices vite fait, non? Y a pas un lac, par exemple? Ouais, enfin, c'est une route en montagne, quoi. Je veux dire, j'en connais, mais... C'est pas pour ça que c'est celle-là, quoi. Ça a pas l'air si haut que ça. Je sais pas, c'est dur à dire. Y a pas âme qui vit, là, dans le coin? J'ai l'impression qu'il y a des villes un peu au loin, là. Putain, ceux qui vivent là, ils sont tranquilles, hein, la vache. Oh, ils sont bien, là. Pleine forêt, là. Par contre, pour aller faire les courses, t'as 30 minutes de route, quoi. Minimum. J'avoue que là c'est paumé. Ah ouais, et parfois tu tombes sur des coins. J'ai croisé une voiture avec Annecy marqué derrière. Bah écoute, je vais... Ouais. Du coup, je mettrais bien ça dans le Semno. Semno, c'est cette montagne là. Mais une route que je connais pas spécialement. Moi, je connais un peu celle-là. C'est pas celle-là. De l'autre côté, peut-être. Mais ça, peut-être là. On dirait qu'il y aura un lac dans le coin. Moi, j'ai pas croisé la voiture que tu disais. Mais c'est genre quoi? Le mec, il avait genre... il s'est marqué « I love Annecy ». Commune de Filinge. Ah, Filinge.
En gros, oui. Okay. Filinge, filinge, filinge. Parce que là, on a quand même la limite du département, logiquement. Non, c'est peut-être pas ailleurs. Filinge, là, ça me dit rien du tout. Nonglar, ça je connais. Je savais pas qu'il y avait un autre Epany. Janvier Epany. J'apprends des trucs sur moi. C'est marrant. Franklin, là, j'ai fait un service scolaire quand j'étais dans l'écart. Vous en savez plus sur ma vie. Filière, t'as, j'ai pensé que c'était filinge. Putain, mais le truc de Bonneville et Marigny, j'ai vraiment été con. J'oublie que les routes de machin, c'est toujours des routes qui amènent vers le truc. Mais c'est vrai que mairie plus. Franchement, le point était fou en vrai. Mairie plus les deux routes là. Regarde ce qu'on met là. 2 minutes. On s'éclate dans la forêt. C'est génial. Doubidibou. Doubidibiptibou. Doubidibou. On pourrait presque reconnaître les montagnes, peut-être. Oh, il y a une séparation là. Alors, les poubelles. Ça a mis quoi là? Extinction de l'éclairage public. Ah ouais. Le mouton doré. Gîte. Ah, s'il y en a qui veulent aller dans un gîte. Vous savez où aller maintenant? Oh mon dieu, ils m'ont vu! Tintin. J'ai des musiques un peu suspense, quoi, des bruitages. Ah oui, ça peut faire ça là. Quoi? Le panneau. Quoi, le panneau? Quel panneau? Au secours! Au secours! Je panique! On parle le panneau, je l'ai pas vu. Merde. Ah merde. Ma souris, elle est à côté, du coup, je vous ai déplacé le chat, quoi. On en est là. Et là, Mika Kawai, il va faire 5000 points. Ça m'énerve. J'ai trouvé, et pas toi. Relou. Ça pourrait être attends, quand je prends l'autoroute par là, ça peut être un peu cette zone là en plus il y a filière filinge. Je sais pas. Non, si, sur Cluse. Il y a pas un truc Cluse? Non, c'était tout à l'heure Cluse, hein. Ah si, trouvé filinge, putain. Et combien de fois dans ce jeu de merde je trouve le putain d'indice au moment où il n'y a plus que 0 seconde et que j'ai pas le temps de cliquer? Combien de fois? Bordel. J'en ai marre. Ça arrive tellement souvent. Il y avait un autre panneau à côté des poubelles. Ah merde, j'ai pas vu. Mais filage, bordel. Au moins j'ai vu filage, j'ai voulu cligner. Mais bon, moi je suis pas si loin, enfin j'ai eu un peu le flair pour ce côté là. À la base je parlais plutôt du CMNO, j'aurais été encore plus loin. Allez. Pétage de câble. Route de Livron. Ouais, mais Bonneville c'est facile à trouver, et Livron. Livron, ça me dit moins quelque chose, quoi. Alors, théâtre, Vetra, Montoux. Pareil, Montoux, ça me dit vaguement quelque chose. Montoux. Il y a tellement de noms de petits bleds que j'ai entendu dans le coin. Montoux. Montmélian. Après, vous me direz dans quel département vous êtes, au pire.
Genre Gwen, t'es dans quel département? Je ferai ton département après. Fusil, les shreds, monte où on cherche. L'Oise, faudrait que tu me dises où c'est, parce que je sais même pas où c'est. Si, c'est un peu plus au sud, non, l'Oise? C'est ça? Culot, t'as du culot de venir me parler, là. C'est vrai qu'il y a une ville un peu importante, là, derrière. On est où? Je suis un peu zoomé, là. Ah, ouais. Ah, poubelle! Au nord de Paris, ça... Ah oui, Val d'Oise et tout. Au-dessus du Val d'Oise. Ah! En tout cas, je suis con de dire... Faut que tu me dises où est-ce que c'est, parce qu'en fait, je vais taper dans le jeu, et puis il va m'emmener au bon endroit. Placo, plâtre. Peinture, machin. Pourquoi je lis tout? Ça sert à rien. Bon, Vetra Montou encore. Donc on est à Vetra Montou. Je sais plus où c'est. Ah, c'était marqué quoi là? Annemasse. Ah, c'est vers cette ville dégueulasse. Mec trop méchant avec Annemasse. Hein? Quoi? Annemasse. Là. Vetra Montou, ok. Mieux. Ok. Annemasse, je connais. Voilà. Centre-bourg, mairie, annexe, machin truc. La mairie, elle est où? Mairie. Mairie, elle est là. Et soi-disant, si on va à droite... Alors, je regarde vers l'est. Merde. Hein? Mairie. Je regarde vers l'est et si on va à droite... À droite? Ouais, bon, après, c'est une direction, quoi. On irait vers la mairie par là. Vas-y, je reviens au point de départ. Ah oui, on avait la route de... Comment ça s'appelait? Route de Livron. Route de Livron, elle est là. Donc on doit être par là. La petite rue là. Attends, il y a une petite rue là. En allant vers le sud-ouest. Sud-ouest, il y a une petite rue. Et il y en a une autre en face, peut-être ça. C'est quoi la rue? Ruaz, on est là. Allez, mes cacahuètes à côté, et moi aussi 5000 points. On a tous les deux 5000 points. Je mange un gâteau en notre honneur, mais en attendant, je vais mettre la foule en délire. Ils sont doués. Ils sont doués. Vous savez que vous avez... Mais attendez, vous avez un talent fou, vous savez ça. Vous savez que vous avez du talent. Merde, des fois j'ai envie de dire... Merde, j'ai envie de dire là. Oh. Pas si. Je connais pas si bien. Non? Je connais pas si bien, pas si. On rigole toujours quand t'as des rires derrière. Ça me rappelle un endroit. Je me rappelle un peu cette zone-là, mais... Val de Chaise. Le jean, c'est là. Et là, il n'y a pas Passy. Verge. Oui, il y a le mot verge. Voilà, c'est très marrant. On rigole bien avec vous. Hein. Ah, ça, c'est rigolo. Hein. Il y a le mot verge. Ou alors, ça peut me faire rappeler aussi
la route pour aller vers Chamonix. Oh, elle va se calmer la trompette là. Chamonix, on y est déjà, merde. Ma gland, oui, il y a le mot gland dedans. Oui, c'est bon, on a compris. Mec, il s'énerve. J'aime bien ce bruit. Marinier. Marinier sur la lune, en octobre les prunes. C'est pas par là, ça me gave. Bon, on va avancer un peu. Je voulais faire mon beau gosse à trouver tout direct, mais... Domancy, machin, il y a quoi? Salanche, pas si, Salanche. Salanche, c'est ultra fucking connu, et moi je suis là, hein, c'est où? Je sais pas. Abondance, l'un des meilleurs fromages au monde, évidemment. Salanche, montre-toi. Salanche, montre-toi. Ça me fatigue. Je connais ce nom de Salanche, bordel. Qui d'autre est énervé dans le chat, là? Vous êtes tous énervés, je le sens. Passy! T'es sûr que t'étais sur cette route, putain de merde? Chier, là. Père, Salanche, à côté. Nanana, chia. Vas-y, là, il y a un passage à niveau. Ça se trouve, c'est lui. Eh, mais en vrai? Oui, la base de loisirs et tout. $5,000. Bah, je crois que je l'ai aussi, moi. D199. Bah, si, c'est ça. C'est un truc de ouf. Je l'ai trouvé tellement vite alors que je galérais comme une merde. Il y a à peu près 2 secondes. Ah, bah, c'est ça, c'est sûr. Hé hé! Légèrement plus proche de toi. Oh. Oh. Oui. Eh ben, les 5000 points, on les a souvent, hein, Coco. View summary. Game breakdown. Vas-y, là. C'est qui gagne, là? Ce qui est le meilleur, là. Oh, on va se calmer un peu. Je vous invite à se calmer. Je vous invite à... Ok. En plus, j'ai 5000 points, on en a eu. Alors. Tu m'as dit que tu habitais dans l'Oise. Département 60, l'Oise. C'est parti! Si vous voulez me rejoindre, c'est par ici. C'est par ici. J'allais chanter, mais sinon j'avais les travers. Ah, c'est bon. C'est par ici, c'est par là. C'est parti. Ok, l'Oise, ça va pas m'amuser du tout. On se fait déjà chier. Pardon, hein, Guenhiver, mais on se fait déjà chier. Et il suffit de regarder l'écran. Et voilà, tout le monde s'ennuie. Alors, tu regardes ailleurs, tu t'éclates, tu regardes l'écran. Voilà. Ah, on s'ennuie. Et ah, voilà, ça se sépare en deux, mais en fait, non, parce que c'est pas un vrai chemin. Super. Moi je vais là-bas parce qu'il y a potentiellement une ville quoi, mais on se fait chier, on se fait chier. C'est où l'Oise? Par là, je sais pas, on s'en fout. Tricheur qui dit mes cacahuètes. À quel moment j'ai triché? Dis-moi alors. Ah, je sais plus quoi dire là. Le machin il triche. Ah ouais, vas-y, bah vas-y. Dis à quel moment j'ai triché. Dis aux autres que tu mens. Menteur, va.
Oh. Oh. Nous sommes dans le petit bled de... Dans le petit bled de... Trois-sereux. Est-ce que tu connais Trois-sereux, ma chère Gwen-Hiver? Je pense que ça s'arrête, l'Oise. Et tu vois la tête que je fais quand je... C'est bizarre. Donc quand je cherche un truc, je suis comme ça. Alors... Extrêmement ridicule. En Gwenhiver, tu m'aides pas des masses, hein. Moi je te le dis. Un. Moi je te le dis. Yeah. Oh. 901E. Il n'y a pas un 901 là. 901. Mais c'est 901E ou c'est 901? 3C. Mais non, mais. Je zoome sur un truc, j'arrive dessus quoi. Le jeu a envie que je gagne, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. Après, pour savoir exactement où je suis, par contre, je suis à la limite de 3CRE. Ok. Ça m'aide pas des masses. Je suis perdu dans la cambrousse. Est-ce que c'est ça, peut-être? Je sais pas. On va essayer de rentrer dans 3CRE pour voir. Et là, il va encore dire tricheur et machin. C'est bon, j'ai le droit d'avoir de la chance un peu. Quoi ça? Château de 3CRE, pompe funèbre. Ah, stylé. Trop bien. Hey, c'est moi ou le mode BR en ligne n'existe plus? Le mort BR? Le... Je viens de voir un truc de... Comment? Pompe funèbre, du coup je dis mort à la place de mode. Salut à toi, Isamalel. Et je sais pas du tout, je connais pas le mode BR de GeoGuessr. I don't know. Je sais pas. T'es même propriétaire ici. Et voilà, vous savez où aller maintenant. C'est pas ça que je voulais, à la base. À la base, je veux jouer à GeoGuessr et trouver des indices. À la base, on est là pour ça, hein, si jamais. S'il y en a qui en doutaient encore. Il n'y a pas un vous êtes ici qui m'arrangerait bien. Sur cette carte. T'as vu la gueule que je fais quand je cherche un truc? Ouais, c'est bizarre. Hein. Que diantre. Non, j'arrive pas à trouver. Je ne sais pas où je suis. Joli. Du coup, Isamael, Isamael, j'ai rendu mal là, avec la fin. J'ai envie de dire Hell, comme l'enfer sur Terre. Mais non. La flûte enchantée. Ah bah voilà. Vas-y, y'a pas les boulangeries et tout? Flûte enchantée. 3CRE. Mairie de 3CRE. C'est vrai que si je trouve la mairie, ça peut peut-être aider aussi. Ça a l'air d'être vraiment petit, hein. Ils sont trop serrés à 3CRE ou quoi? La mairie, ça va être un truc... ça va être ça, là. Hein, la mairie, c'est un truc pouilleux, là. Un village pouilleux avec des pouilleux. Beauvais. Et là, on a la C2. C2. Ça existe, ça, C? C'est quoi? C'est communal? Non, bah, je sais pas. Voilà, où soit. Y a pas de mairie, là? Ta-li-ta-ta-ta-da. Tira-tira. Ah, D133. D133. Elle arrive ici. Donc là, on est à cet embranchement-là. Et je regarde vers le nord-ouest. Donc c'est ça, je suis remonté. Donc je devrais être par là. À mon avis, j'étais genre là. Je reviens en arrière. Il reste combien? 4 secondes? Ouais, peut-être plutôt là. Ouais.
Oh! J'ai une nouvelle tête là. C'est pas mal! À mon avis, c'est peut-être toi, Isama? T'as plus de points que moi là. C'est fort probable. Faut que je mette une petite image moi aussi. Je crois qu'on peut. Ah oh, ouais, il faudrait que je mette ma petite patate là. Ah, mais on peut voir les gens. Lulu Berlu. Qui est Lulu Berlu? Et Mika qui a galéré. Pauvre Michael. Qui est Lulu Berlu? Play. Grave. Moi j'ai trouvé. on est encore. Ouais, on se fait chier encore. Hein. On est d'accord. Hein. L'Oise, on se fait chier. Hein. Voilà. C'est un constat. Ça y est, j'ai appliqué ce constat à l'ensemble de toute l'Oise. Voilà. Je me suis dit l'Oise égale grosse merde. Voilà. L'Oise égale ennui. L'Oise égale chant. Ça, oui, c'est vrai. Ah la vache. C'est bled paumé sur bled paumé. Alors, RN1. 1. N2. Je veux la N1, moi. La N1000 de machin truc, la N104. Juste la N1, moi. Je suis peut-être pas assez haut en même temps. J'ai la A1. Moi, c'est la N1 que je veux. Non, genre la première nationale du monde, quoi. Du monde. Ok, RN1. C'est le seul indice que j'ai pour l'instant. Mais on perd pas espoir. Heureux. Ouais, bien. Je vais y arriver, j'y crois à mort. Je me cache à mon caca. J'adore pleurer derrière un emoji. Alors, pleurer derrière un emoji caca, c'est... Poubelle! Poubelle. Dis-moi tout. Dis-moi qui est la plus belle. Dis-moi, poubelle, qui est la plus belle? Paris? Ancienne route de Paris. Ah ouais, on passait par là avant? Ah, l'Oise avait une importance avant, en fait. Et depuis, elle en a plus. Depuis, c'est le département oublié. Juste après la Creuse. Je suis perdu. Au secours. Ça sent le purin. Je le sens d'ici. Sortez-moi de là. Ça sent pas bon. La rue verte. Sympa tu es. Je suis sympa? Tu parles comme Yoda? Sympa tu es. Sympa tu es. L'Oise ça pue, Gwen. On est que dans des champs nuls. En plus j'arrive pas à savoir exactement où c'est la limite de l'Oise. Genre ça c'est l'Oise ou c'est... Non, c'est au-dessus. C'est bizarre qu'il n'y ait pas marqué la N1. C'est basique quand même, non? La N1. Bon, après, ça va être tellement basique que ça doit pas m'apporter... Voilà. Ça doit pas m'apporter un truc extraordinaire non plus, mais... Y'a aucun panneau! Panneau! Je clique vraiment n'importe où. Hein. Je suis en mode stress là. Vraiment, je clique, tu vois, je m'en rends même plus compte. Là, je suis en train de penser à ce que je vais manger ce soir en fait. Je suis pas du tout en train de jouer. Je suis en mode panique. Rue de la Croix. Ça m'aide vachement. Oh! Potier! Il y a un potier! Il y a Harry Potier. Harry, tu es un potier. Oh, c'est mon nom de famille, ça. Ah, merde. Bah, c'est la bonne campagne. Ouais, la bonne Saint-Sulpice. Par les Gaudins.
Tu connais Saint-Sulpice? Ça me dit quelque chose, Saint-Sulpice? Ah, mais Saint-Sulpice, c'est pas un arrêt de métro. La musique est géniale. Boop, boop, boop. Boop. Boop, boop, boop. Moi, je suis en train de galérer, puis la musique est là. Sortez-moi de là. Juste, tu saches, la RN1 n'existe pas dans l'Oise. Elle change de nom. Je suis désolé, mais c'était marqué direction RN1. Ok. Ok, c'était un vieux panneau moisi comme on en trouve partout dans l'Oise, mais n'empêche que c'était marqué ça, ok. Val de l'eau. C'est tellement moisi qu'ils disent à quel endroit on peut trouver de l'eau. Ah, ils viennent avec leur robinet. Leur. Comment? Tu as là? Vers RN1. C'est marqué RN1, je cherche RN1. Je cherche pas un autre nom. Pas trop compris c'était l'Oise, j'arrive pas bien à voir les... Oh ça va en vrai, c'est honnête. J'ai plus de la moitié alors je vais cliquer n'importe où, moi ça me va. Et donc la N1 c'est la D1001 en fait. Non mais le trou du cul du monde là, c'est où? Ça a même pas de nom, ça s'appelle Varlui. Bravo quand même, bah écoute ouais, ma foi. Alors attends, je regarde juste la limite du département parce que... C'est dur à voir, hein. Pontoise, ça fait partie Pontoise? Précis-sur-Oise. Ça monte si haut? Hardivilliers, ça fait partie? Villiers. Crève-cœur le grand. Le grand crève-cœur. Pontoise fait partie de l'Oise. D'accord. Donc en gros, on a Pontoise en bas. J'ai perdu de vue. Pontoise, où es-tu? Pontoise. En même temps, il y a le mot Oise dans Pontoise. Bref. Et en haut, on doit avoir... Ah, de l'eau. Ah là, on voit un peu mieux. Donc, on a ça. Bon, va-t-on avoir... Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau des points? Oh, il y a un 5000 points de Lulu Berlu. Dis donc. Next round. Allons voir un peu... Est-ce qu'on peut avoir un peu de civilisation? Non, c'est encore des champs. C'est impressionnant. Une voie un peu de TGV, comme ça, il n'y en a peut-être pas 10 000, si. Dans l'Oise. Quoique si, parce que c'est à côté de Paris. Nous sommes à Verlonnette, parc naturel régional de l'Oise, pays en France. Pays de France, pays en... D549, et ça s'appelle comment j'ai dit? Vert, comme un ver de terre, dégueulasse. Et on a dit 549. Allons trouver la 549, yeah. Est-ce qu'on trouve la 549? Il faut zoomer pour ça, mon petit Xavier. 549. Es-tu par là, mon petit 549? Yeah. 549. Hey, 3 serrures, je connais. 549. Yeah. 549. Y'a pas de 500. Dans la merde.
Pa-da-pa-pa-pa-pam. Y'a pas de 500 dans la merde. Dans la merde, dans la merde. Oui, dans la merde, dans la merde. Pop, 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 pop. Petit bled français, le marigot. Tête de veau. Bar brasserie, ok, l'an. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Il y a une église. Ça, c'est un indice de qualité. Acquisition de propriété de le Rabelais pour la création d'une nouvelle mairie. Ça améliore votre quotidien. L'Oise. Ça, je sais que c'est dans l'Oise. Commune de Vers, machin truc. Ouais. Vers sur l'Honnête. Ça perd si petit, Vers sur l'Honnête. Peut-être moyen de le trouver comme ça. Hein. Gratte-Penche. Trois-Rivières. Capitaine Trois-Rivières. Celui qui voit un verre d'Agorlars, il me le dit. J'étais allé trop haut, hein? Je crois que je suis allé trop haut. Et Trépani. Il y a aussi des Épani. Chantilly. 549. Verre de la Launette, là. Roc en cours. Veuillez patienter, un roc en cours. Roc est en cours, roc en cours. Tu rocks durant le concours. J'adore faire les jeux de mots, ça me clate. Ça me fait passer le temps. J'espère que vous aussi vous aimez ça. Pourquoi il y a de l'eau là? Je suis allé beaucoup trop loin. J'arrive sur la mer, il y a un problème. 5000 points, non, dis pas ça. Des trucs qui m'énervent ça. J'ai envie de tuer quelqu'un maintenant. Je suis sûr que t'as trouvé la 549. Mais moi je comprends pas la limite du département. Allez, un D quelque chose. Un D 500 quelque chose. Je crois que c'est plus ou moins logique après. S'il y a du 500, c'est qu'on n'est pas loin. Non! C'est vers le parc naturel régional. Lol. C'est assez grand. Bah ouais, j'ai l'impression. Ah mais oui, il y a vraiment un parc régional. Et en plus, je l'ai lu ce machin, je crois. De l'Oise. Oui, il y a le parc Astérix, là. Non, je savais pas. Bon, ils sont un peu moins pouilleux s'ils ont le parc Astérix. Mais si c'est pas mon truc. C'est quand même la classe. La classe à Dallas. Je trouve pas! Au secours! J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai froid. Pourquoi personne veut m'aider? Ah merde! La D549 que je cherche, mais Kikawet, il me dit qu'elle fait à peu près 400 mètres de long. Ouais. Franchement, je risque pas de la trouver, quoi. Vert ! Mais non ! Vert sur l'Honnête. C'est par là, je sais pas où. Il me restait 3 secondes. Sur la voie de chemin de fer. C'est là, j'ai vu la voie de chemin de fer. J'avais cliqué là. Mais bon. Bon, ça, c'est grâce à Mikakawet qui m'a dit que c'était... Mais putain, mais le pire, c'est que le parc naturel, je suis sûr que j'ai lu un panneau qui en parlait. Mais je pensais pas que c'était marqué, tu vois. Ça, j'apprends un truc. C'est que parfois, les trucs verts, comme ça, ça peut être marqué forêt de machin. Parc naturel, machin. Parc naturel, parc naturel. Ah ouais. Comme quoi, ça peut être des bons indices aussi. Je mange un bout de gâteau. Pour aller mieux. Pour voir la vie du côté positif.
Je crois qu'il n'y a pas un seul endroit où j'ai cliqué où il n'y avait pas un champ à côté. C'est impressionnant. Genre, c'est à quatrième endroit où on est. Ça arrive, il y a un champ paumé mais nulle part. Toujours. Toujours. Je crois que c'est là où ils cultivent tout pour nourrir Paris, en fait. Genre, Paris entier, ils nourrissent dans l'Oise, quoi. Oh! 521 Rouvillers. Est-ce qu'on peut partir du principe que les 500 sont tous au même endroit et du coup 521 doit pas être loin de là où on était tout à l'heure? Ou ça marche pas comme logique, ça? L'Oise est le grenier de l'île de France, je confirme. Ah bah voilà, c'est pour ça que c'est pouilleux. Mec désagréable. Je suis chiant un peu ou pas? Honnêtement, dans le chat, dites-le. Je suis chiant, tapez 3615, je suis chiant. 3615, au revoir, it's some potatoes. On veut plus de quoi. Je crois que ça va pas m'aider des masses. Oh, il y a un nom de bled là, j'ai même pas vu. Warnavilliers, Villers. Commune de Rouvillers. Ok, Rouvillers, ça va être un peu plus grand. Ouais, pas assez pour avoir un indice. Promenade numéro 2, le plateau Picard. J'ai oublié le nom du bled. J'aurais dû le noter. Ah, j'ai pas vu combien avait fait Lulu Berlu à la partie d'avant. J'ai oublié. Comment j'ai fait demi-tour hein, que je clique que devant? Clic droit, ça fait... Non, bah non. Super, hein. Trop bien. Ah, bah voilà. Ileona, merci pour ton follow. Comment ça va, Ileona? Aimeville 521. Oui, non, j'ai compris que c'est la 521, mon loulou, mais... 521. Ah, 1017, Étresse Saint-Denis. 1017, il y a moyen, là. 1017, Étresse Saint-Denis. Oh, on se rapproche, là, les loulous. Vous sentez? Ça sent bon, là. Ça sent bon. Et du coup, c'est par où? Étresse Saint-Denis, c'est par là, et on va direction le sud. Donc, où est-ce que c'est? Étresse vers direction le sud, donc c'est ça. Après, je sais pas si on est loin ou pas, quoi, mais on est pas... Ah, 521! Wow, 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 wow! On est plus très loin, hein! Je crois que j'ai tourné... Et je vais être là, en vrai. Genre là, je pars par là. Là, il y a le petit accrochage là. Je pars par là. Non, je partais pas où? Je suis parti par là. Ouais, au lieu d'aller à droite, là, je pars par là. Et là, je rejoins ça. Et là, c'est juste une ligne droite. Non, j'ai trouvé de ouf. Mais c'est la deuxième fois où ici, je passe en... C'est bizarre. Où je recule. Ah, Ileona, c'est peut-être toi, Lulu Berlu? Non, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Y a aucun doute. Vas-y, je guesse. Mais attends, mais je guesse où? Parce que là, c'était vraiment long. Alors que là, finalement, je suis vraiment à côté du carrefour. Hein, un peu de choses près. Donc, je vais être plutôt par là. Genre, je fais vraiment deux pas et j'y suis, quoi. On peut aller par là, là? Non, mais c'est forcément là. Vas-y, je guesse. Oh! Ah! J'ai mal regardé! Ah, mais oui! Là, c'est la route qui allait à droite, ok.
Ah dommage, j'aurais pu l'avoir vraiment précisément celui-là. Non, c'est moi Lulu. Ah, salut Matt. Comment ça va? Tu t'appelles Lulu Berlu, mais en vrai tu t'appelles Matt. Enfin, tu t'appelles Matt d'un côté, et en fait, quel est le lien entre Lulu et Matt? Bah bienvenue, première fois sur le chat, ça fait plaisir. Tu t'en sors bien, hein, j'ai l'impression. Michael, je sais pas si t'es en retard à chaque fois, mais je crois que c'est marqué not played. En total, t'es carrément meilleur que moi pour l'instant, Lulu Berlu. Il y a un moment donné où je me suis foiré de peu, là. Il en reste un à faire, je crois. Bizarre, je pense que c'est parce que ouais, ça arrive parfois les bugs. Ça, je verrai à la fin ton score. Mais dis donc, ce serait pas des champs par hasard? Je joue en même temps que toi, ouais, bah ouais. Ça arrive souvent. Alors, nous sommes où? Ah oui, nous sommes à flou 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 flou. Ah, c'est flou flou flou. Bon, bah super. C'est super. Ah, c'est nous, c'est nous. Ah, c'est vraiment c'est nous, c'est nous. Wow, my god. Putain, il a pris cher celui-là. Est-ce qu'il y a un bus qui passe là de temps en temps? Ça a l'air paumé encore, hein. Circuit de pays de tel. Mathieu, Matou, Mamatou, Mamadou, Mamadou, Lélé, Lélé, Lalin, Lulu. Voilà. Oui, c'est très simple. C'est une évidence implacable. Je comprends. Là, je me sens presque bête de ne pas l'avoir deviné moi-même. Franchement. Maintenant que tu me dis. Il n'y a pas. Ouais. Là, je me sens con, vraiment. Je suis même désolé. Point, 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 point. Petite flûte. Ambiance chamanique ce soir. J'invoque les esprits des loups. Alors la RD35, ça peut être pas mal, et ça finit par œil. Ah oui, il y a un œil là. Non mais c'est tellement éblouissant. L'oie, c'est tellement éblouissant que j'arrive pas à lire le panneau. Je vais lire peut-être de l'autre sens. Alors, RS No, mon chevreuil. 35, ça y a moyen de trouver ça. La D35. Non? Ouais, il y a Guinevere qui va me dire « Je te signale que la RD35, maintenant, elle s'appelle autrement. » Mais merde déjà. Vous pouvez pas appeler les choses comme elles sont. Pété Et 35. 32. Ah, on se rapproche de la mer, donc c'est pas ça. Putain de merde. J'arrive pas à savoir où est ce département, ça me fatigue. Là, Paris. OK. D4, D44. Évidemment, le D35, c'est pas une grande rue qui s'affiche dès le début, sinon ce serait pas marrant. On zoome un petit coup alors. On zoome un petit coup. Allez, mais quand on zoome, après, je sais plus où est la limite du département. Et j'ai l'air d'un gros teubé. 34. C'est pour ça que j'ai dit 35, merde. J'y ai cru, mais tellement fort. Genre, mon cœur a palpité et tout. Ah, j'ai cliqué sur le vouloir. D11. 35. Hein, donc. Ah, si, là, je vois une limite de département. L'Oise, c'est marqué quand on zoome, quoi. Ok, donc on va suivre la limite du département. J'apprends des choses, hein. Je suis encore newbie sur GeoGuessr et sur Street View. J'apprends qu'on peut avoir les limites, enfin les noms des départements, vraiment à la limite, limite. Limite, 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 limite. Vieille référence de Squeezie, ça. 35. 36.
Je sens que je suis parti à regarder les routes et que ça va bouffer tout mon temps. J'étais sûr que... Ah, 35. Et on est à RS No Mon Chevreuil. RS No Mon Chevreuil. Comanchon. Quoi? Il reste nos mon chevreuil. Bili bili. Je vais pas lire le message parce qu'il y a un mec qui m'a remarqué 5000 points. Je t'avoue que je n'habite pas vraiment dans ce coin-là. Ah, j'espère bien, Guinevere, j'espère bien. Mais attends, mais la D35, je suis sûr que c'est pas la RD35, c'est ça que je me fais avoir, c'est ça? RD35, c'est pas D35, c'est pas la même chose? Non, c'est RD, c'est bien route départementale, non? Bon, elle continue de l'autre côté. D35. Allez, pour une fois que j'ai trouvé la D35, quoi. Fais-moi plaisir, voilà. Donne de nom. Oh merde, je crois que c'est la D35, mais dans l'Aisne, juste à côté, nique ça. J'ai trouvé la D35 du département d'à côté, je suis... je suis saoulé. Pont l'évêque. Voilà, j'étais pas du tout au bon endroit. Mon chevreuil, bordel, le cul, D35. D35 qui fait très exactement 2,5 km, quoi. Et là, on va voir les autres et ça va marquer. Ouais, ils ont 10 millions de points sur le dernier. Et ça va m'énerver. Mais voilà, 5000 points, Lulu Berlu, là. Comment t'as fait? Je vois que Mika est aussi perdu que moi, ça fait plaisir. 114 points. Pas quand est-ce que j'ai coupé mon micro, j'espère que c'était il y a un bon moment. Enfin non, j'espère que c'était pas il y a un bon moment, bref. Il va partir dans l'autre sens, ouais, c'est facile à dire ça. T'es en train de me dire que c'est la chance, c'est ça? Je crois pas en la chance, moi. Non mais regardez, j'ai cliqué à l'extérieur du département, quoi, aussi, il y a une blague aussi. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit world. Où il y a un lieu que vous avez envie de faire. On se fait un petit world. Cabravo, Lulu Berlu. Mathieu, Matou. Mamatou, Mamadou, Mamadou, Lélé, Lin, Lulu. Ah! Je vais devoir faire un... Un pôle. Où? France ou World? Allez, je vous mets juste une minute pour voter. Non, deux minutes, allez. Vous avez un petit sondage. Le lien, je le mettrai quand j'aurai lancé la partie, parce que c'est chaque partie, il y a un lien différent. Donc pour ça, il faut que je sache où on va. Oui, il faut voter au-dessus, là. Voter. Il y a eu deux votes France pour l'instant. On partirait pour la France. Ah, il y a un petit world qui arrive. Ça peut encore pencher pour la balance du world. Ah, égalité, ça va bien me faire chier. Yoremdo, bienvenue sur ce chat. Bravo, attends. Il faut que tu votes. J'ai la liste pour casser les pieds. Ouais, merci Linou, c'est un plaisir de t'avoir avec moi dans ce chat. Merci beaucoup. Allez Lorem, si t'as pas voté, il faut voter. Qui n'a pas voté là? Je veux du vote. Du vote. Faut casser ça, il faut qu'on choisisse entre World et France. Y'a pas un truc genre aléatoire, mais ça choisisse quand même un pays. The Daily Challenge.
Je vote France. Il faut cliquer au-dessus. En haut, en haut. Au pire, je vote pour toi. Mais normalement, avant que tu viennes d'arriver et que t'as pas vu. Et bienvenue à toi, Erker. Il y a plein de monde que je ne connais pas qui arrive sur mon chat aujourd'hui. C'est dingue comme GeoGuessr apporte de l'amour et du monde. Ah, et voilà. Il y a du France là. Ça y est, il a voté. On partirait plutôt pour de la France. Désolé aux personnes qui ont voté World. See, we're streaming live right now. C'est marrant ça. On peut me voir moi-même ou pas? On peut trier par pays un peu ou pas? Pierre Rock, comment ça va? Alors tu joues à quoi? À GeoGuessr? Tu connais GeoGuessr? Pierre Rock? Solid comme un rock. J'ai envie de faire coin-coin, je sais pas pourquoi. Je suis trop en forme. Trop cool ce jeu, exactement. Allez, c'est parti, on fait du France du coup. Hein. C'est ça, France. Et ça a été voté pour la France. Attention, vous êtes prêts. Je vous mets le lien pour tous ceux qui veulent participer. Alors, tu vas voir, le principe est très simple. C'est un site internet, donc t'as même pas besoin d'installer. Tiens, d'ailleurs, il y a le nom du jeu qui est encore... Et je vais te montrer le principe en live. C'est parti. En gros, là, j'ai choisi la France. Donc, en fait, le jeu va me mettre sur Google Street View. Donc, il utilise vraiment Google. Il va me mettre n'importe où en France. Et après, c'est à moi, juste en regardant le décor, en regardant, Samsung, ça peut être un indice. Pour l'instant, c'est pas dingue. Mais en me baladant, tu vois, je peux. C'est vraiment Street View, donc tu peux te balader. Je vais avoir des noms de rue. Peut-être que le nom de la ville sera affiché quelque part. Peut-être que je serai devant la mairie. Ah si, je connais, c'est ça, c'est trouver où c'est, exactement. Et après en bas t'as le truc et tu dis bah à mon avis c'est là, et après tu guesses. Et puis si t'es vraiment proche t'as beaucoup de points. T'as entendu parler? Eh bah écoute, je te laisse découvrir. Si t'as des questions n'hésite pas. Sinon comment ça va mon cher Pierre Leroc? Pierre Leroc, t'étais venu... Quand est-ce que tu m'as découvert toi? C'est pas quand je faisais du It Takes Two avec ma chérie? Si c'est ça, ça me dit quelque chose. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Ah, 01. Les numéros de téléphone en 01. Ça peut être qu'un seul endroit. À peu près, hein. Après, il faut affiner. Comme le fromage. Bon. Saint-Ouen. C'est où Saint-Ouen? Je connais Saint-Denis, moi. Saint-Ouen-Touin. Taverny, je me souviens que j'étais allé à Taverny une fois. C'est marrant ce qu'il y a des noms qui commencent à me rester et tout, c'est assez marrant. À France, on connaît la France, tu sais. Je sais plus où c'est Saint-Ouen. Enfin, je sais plus, j'ai jamais su où c'était ça. Saint-Ouen-Touin. Toi-Toin-Touin. Saint-Ouen-Touin-Touin. Toi, Saint, toi, Saint, toi. Je trouve pas. Si c'est cela, bien vu. Fin de semaine avec un petit pont à boire. Et toi, ah, ça que c'est une fin de semaine. Toi, je suis con, j'ai dit le numéro là, c'est forcément une zone, mais quand on voit ce bus, il n'y a aucun doute. Moi ça va, je travaille encore demain, donc c'est pas vraiment une fin de semaine, mais en fait j'ai été diagnostiqué avec une apnée du sommeil. Donc là on dit oh, vas-y, on va faire comme ça là. Donc souvent c'est j'ai pas de truc un peu triste, ou ça là. Non même pas, bref. Si ça peut être compatissant. Mais en fait finalement c'est pas mal parce que j'ai eu la machine, une machine qui t'aide à dormir, ça t'envoie de l'air constamment dans la bouche pour t'aider à respirer la nuit, pour faire moins d'apnée. Et depuis j'ai la patate mon gars. J'ai l'impression d'avoir de nouveau 20 ans. Peut-être pas, allez, 25. Avec appareil pour dormir, c'est ça exactement, je viens de l'avoir. Tu connais un peu l'apnée du sommeil ou quoi? Il y a de plus en plus hein, des gens qui ont ça, ça commence à être vraiment... Clichy. Porte de Clichy, c'est vers le nord ça, hein? Clichy. La D410. C'est vers le nord, Clichy. Ah, Saint-Ouen! Toin, toin, toin!
Y a pas marqué Samsung, ça m'arrangerait. En vrai, ça m'arrangerait bien, quoi. Bâtiment Samsung. Allez, dis-moi qu'il y a bâtiment Samsung marqué. Plus de Clignancourt. Alors, on va retourner. La rue, là où on est, c'est quoi? Le nom de la rue. Allez, je veux le nom de la rue. Y a pas marqué, là? Il n'y a pas de nom de rue, ça m'arrange pas cette histoire. Il est marqué un Leclerc. Oui, le bâtiment est marqué. Non, Samsung est marqué? Leclerc, il parle de Leclerc, je suis pas loin. Vers Clichy. UPS. Ah, ça va être un truc gris comme ça alors. Gare de Saint-Ouen. Grésillon. Cité du cinéma. Tu me dis ça pour perdre du temps, avoue. Avoue-le. Studio de Generali. Campus. Allez, Samsung. Espionnage et sécurité. Boutique d'espionnage. De quoi? Tu veux devenir un espion? Il suffit d'aller dans cette boutique. Boutique d'espionnage. On va parler de ça. Porte de Saint-Ouen. Je trouve pas. Tu mens. Rutter, tu es un menteur. Rutter, menteur. Déchetterie, Gennevilly. Déménagement, Paris. Je m'en fous, déménagement. La grande mosquée. Je m'en fous, la grande mosquée. Casa Padel. Attends, mais il parlait d'un... d'un Leclerc, je suis pas loin de là, hein, je suis quasiment sûr. Clichy? Ouais, c'est pas loin de Clichy, ouais. Non mais le lieu, je l'ai à peu près, mais il manque le bâtiment Samsung. Putain, j'ai plus le temps. Il est où le bâtiment? Vas-y, dis-moi, c'est bon. Y'a pas marqué Samsung là. Si, quand on zoome vraiment, putain de merde. Parc à chien, bah voilà, il y a un parc à chien, pourquoi j'ai pas deviné ça? Mais genre, regardez lui, il se gratte la tête, il a des points de ouf, je parie, Lorem. Lorem, c'est Rutter? House Rutter, non, il est en bas, House Rutter. J'ai combien de points, moi? 9000. Pourquoi j'ai pas moi? Pourquoi j'apparais pas? J'apparais pas dans mon propre barème, quoi. Le jeu, il m'accepte même pas. Allez, suivant! Oh bah c'est une autoroute. En plus il y a une sortie. Ah mais ça je crois que je sais où c'est. Attends. Ça ressemble. Bah non. C'est pas là où je pensais mais ok. Alors Le Mans. Autoroute. On est sur A11, A28. A11, 28. Ah oui 28. On doit être pas loin de là. Quand je regarde les panneaux, je regarde vers l'est. Du coup, on serait plutôt là. On est actuellement sur la 11. Ok. Il y a des magasins un peu autour. C'est quoi ça, par exemple? La sommelier, quoi? La sommelière? Ah oui, Kavavin, la sommelière. Est-ce qu'il y a une sommelière dans le coin? C'est annoncé dans combien de temps? 750 mètres, ah oui, on est vraiment juste à côté, quoi. Ouais, moi, je suis au bon endroit, je comprends pas pourquoi je trouve pas... Ah, si, ce serait... Ok, bizarre. Pourtant, logiquement, là, je regarde les panneaux, je regarde vers l'est. Nord-nord-est. De l'autre côté, il y a quoi? Ouais, il y a une autre autoroute, là, ouais, c'est ça, 81, qui est annoncée dans combien de temps? Ouais, c'est pas mal, ça. T'es en 1300 là, et 705... Ah oui, donc on serait plutôt par là, en fait. Ah, il y a une aire d'autoroute?
Ah, il y a une aire d'autoroute. Attends, il y a moyen de trouver ça. L'aire d'autoroute, elle est où? Elle est là ou elle est là? Elle est là, non? C'est pas ça, l'aire d'autoroute? Non, il y a des petites maisons, mais c'est pas ça. On a le temps, du coup. On a vite trouvé, donc autant être vraiment le plus précis possible. Direction Le Mans, loué, circuit du 24 heures du Mans. C'est ici, non? Non, là on est déjà arrivé. Attends, mais c'est bizarre. Sortie 22, c'est ça? Rennes-Laval. Bah non, Laval, c'est là. Ah, mais on serait plutôt par là, alors. On serait plutôt par là. Et donc, on serait avant ce carrefour-là. Mais c'est ça, j'ai bien fait de... Que là, après, on a quoi? On a la A81, c'est ça. Et Rennes-Laval, ça paraît assez logique de partir par là. Ah, c'est quoi ça? Une voie de chemin de fer? Est-ce qu'on la voit? Et tu fais quoi dans la vie? Enfin, à côté du stream. Je suis conducteur de bus. Je conduis les bus de la ville là où j'habite. Voilà. J'ai bien résumé le truc. Ah mais oui, la 28, elle part aussi là. Ouais, c'est bon. Ok. Comme quoi, j'ai bien fait de pas aller trop vite. Et toi, Pierre Rack, qu'est-ce que tu fais? Y a pas une voie de chemin de fer, là? On la voit pas? J'ai envie d'être ultra précis, vu que j'ai le temps. Ah si, voie de chemin de fer, là. Ok, donc on est un peu avant la voie de chemin de fer. Bah, en vrai, là, je pense qu'on est pas mal, hein. Enfin, c'est dur de doser exactement, mais... Pas vraiment de repère fixe, quoi. Allez, on guess. Oh, il était précis. C'est qui? C'est Lorem. Du coup, il a gagné un point de plus que moi. Et Rutter, on voit pas où est-ce qu'il l'a posé, mais il a un peu moins. Voilà. On a tous pu assez vite trouver, honnêtement, sur autoroute. Quand en plus, t'as deux autoroutes qui se séparent, ça va très vite. Alors, troisième lieu. À côté de... Comment? Je vois le chemin de fer en pagaille. Là, il y a des camions. Alors, il faut pas trop se fier aux camions. Parce que moi, l'autre fois, je m'étais un peu fié à ça. Et en vrai... En vrai, bof. Ça m'a pas donné de bonnes indications. Excusez-moi, j'arrête pas d'avaler. Je crois que j'ai la gorge un peu pris. I don't know why. Je me perds dans une zone industrielle dégueulasse. Parking VL personnel Carrefour. Ok, on est pas loin d'un Carrefour. Relais colis. Ça marche. Ça m'aide de ouf. Ça. Je sais pas pourquoi je guesse pas direct là. Bon, un rond-point c'est bien ça. Il y a aucun panneau. Donc c'est moins bien en fait. C'est pas si bien que ça. Boulevard, moi. Paris Sud, bah dis donc, ils aiment Paris. Hein. Bon, Paris Sud, c'est un peu vague, mais... Putain, mais... Il me raque la gorge. Donc, je disais que j'étais conducteur de bus dans la ville où je suis. Et je te demandais, après toi, tu faisais quoi? Je me disais, c'est bizarre, tu me poses une question, je te réponds, puis toi tu me réponds pas derrière, je vais... Eh, pourquoi? Pourquoi suis-je abandonné comme ça?
C'est dur comme endroit. Gare au nord, Paris sud, rue de Belgique. Logique corps. Ça peut être tellement d'endroits différents, quoi. Paris sud, j'imagine que c'est au sud de Paris, jusque là, ça va. Ah ok, cool. Moi je suis moniteur éducateur. Ah! Comment ça moniteur éducateur? C'est-à-dire que tu fais quoi? Tu fais des animations pour les jeunes? Genre sortie, extrascolaire, je sais pas quoi. Entrepôt à Louis, mais ça m'aide pas ça. Paris Sud, J. Monnet. Lieu Saint? Lieu Saint, c'est un bled? Pa pa la pa la pa la pa la ta la ri ta tu ta lu. Lieu Saint. Yes, trop bien. Trop bien. Moi j'ai la rue de Belgique. On la voit la rue de Belgique ou pas? Rue du Canal. Rue Lieu Saint, pépinière, Belgique, un pays de débiles ça la Belgique, y'a que des cons en Belgique, et je dis pas ça parce qu'il y a Lino et Mikakawa dans le chat, pas du tout, du tout. Mikakawa qui répond oui. Ah y'a que des cons en Belgique, hein. T'es d'accord? T'es d'accord? J. Monnet. J. Monnet, c'est le nom de la rue? Ah, j'ai dit qu'il y avait un carrefour, non, c'est pas ça? Ça? Ça peut être pas mal, ça, carrefour. Carrefour! Bidi bidi bidi! Pardon? Quoi? Linou, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas. J'ai pas compris. Franchement, je... Comme ça, je vois pas. LOL! Si toi aussi t'aimes la Belgique, laisse un like. Ça veut rien dire, mais... Follow ma chaîne! Si tu aimes la Belgique. Et même si tu l'aimes pas. Ah, je t'ai piégé, là. Je trouve pas mon carrefour, là. Mondial Relais? J'avais Mondial Relais. Mondial Relais. Carrefour. Oh! Popo! Au moment où ça tourne, là, comme ça. Là. C'est au moment où ça tourne. Logiquement, c'est là, là, exactement. Là. Pourquoi je lève le doigt comme ça? Non, c'est bien la Belgique. Mais évidemment que c'est bien. Ouais, je travaille avec les enfants en situation de handicap. Ah, c'est marrant, la mère de ma femme faisait ça aussi. Non, c'est bien la Belgique. Enfin, je connais pas... J'avais que Herculin, je crois. Herculin. Si tu n'aimes pas la Belgique, tu es une pancarte caca. Oui, c'est ça, exactement. Si t'aimes pas la Belgique, t'es ça. Par contre, si t'aimes la Belgique... T'aimes la Belgique, t'as un BG comme ça. Oh beau gosse. Où est-ce que c'était? Ah merde. Ah Carrefour, c'était de ce côté-là. Ok, je me disais aussi que ça ressemblait pas à ça. Mais moi je papote aussi. Mikakawet qui dit le nombre de points. Moi je papote là. Herculin. Ah Herculin. Oui, ça s'écrit pas pareil. C'est pas tout à fait ça. Aisé. Ouais, en vrai, j'aurais pu le trouver mieux, mais je suis en train de papoter. J'avais vu Carrefour, je pensais que c'était cette rue-là, mais en fait, c'était celle-là. Euh,
Je connais pas mes points à Toto, donc je sais pas par où, comment je suis placé. L'OREM il fait que des 5000, de toute façon il triche, hein, clairement. Voilà, c'est pas grave, il y a des tricheurs, c'est comme ça. Moi jaloux, pas du tout, lol. Allez, suivant. Tu t'en sors bien en vrai, Mikakawette. Pourtant t'as pas joué beaucoup. Je trouve que tu t'en sors vachement bien. Après, je sais pas si t'écoutes ce que je dis et que du coup ça t'aide. Si tu triches quoi, en gros. Je sais pas si tu triches en m'écoutant par exemple. L'OREM qui pleure dans le chat. Par contre, je suis désolé, hein, mais si tu veux pleurer, il existe cette emote là. Hein. Moi ici, j'accepte que mes emotes à moi, pas les emotes voilà. De sous-peuple non développé. J'entends, mais tu vois les choses en même temps que moi. C'est ça. Trop facile. Non, je te jure. Ouais, t'as vu le sud de Paris quand j'ai dit sud de Paris, quoi. T'es allé voir sur la map et t'as dit... Ah, c'est marrant, je vois le sud de Paris quand il dit sud de Paris. Ça, c'est étonnant. Et quand il dit lieu saint, bah... j'ai vu lieu saint sur la carte. Incroyable. Alors... Si c'est... Ah, ça peut se faire. Vite fait, comme ça. Sinon, on va pas y passer 1000 ans. Non, il veut pas. Il veut pas me donner la 15. Et bah qu'il aille se faire foutre. Voilà. Bien comme il faut. Chez les Bretons, comme on dit. Poche, gare, église, tu vois qu'on est encore à Paris. Et j'ai pas demandé l'île de France, hein. J'ai demandé France tout court. Sans l'île de. Non, mais c'est trop petit pour être proche de Paris, ça. Les Parisiens, ils viennent là, ils savent plus quoi faire, quoi. Ils sont perdus. Trop serré. Ah, mais c'est vraiment petit, les rues, hein. Ah, y'a un Picard! Truc de fou! Mais c'est encore un 0-1, mais tu... Taverny, bon, ok. Ça, je sais au moins... Oh, au moins, je sais exactement où c'est, Taverny. Ça m'arrange bien. J'en ai parlé tout à l'heure, en plus. J'ai dit que j'étais déjà allé à Taverny une fois en faisant sur du GeoGuessr. Et là, boum, je tombe sur Taverny, quoi. C'est un truc de dingue, ouais. Ok. Et la rue, c'est quoi? Il y a des noms de rue, là, où je vais me faire blanchisser. Ça veut rien dire. Je trouve pas de phrase à dire là. C'est ridicule. Je suis ridicule. Ou je vais me faire blanchir les maquignons. Ah mais non, mais c'est que des mini-rues qui donnent sur des mini-rues avec d'autres mini-rues. Ah, j'aimerais bien avoir ce carrefour là en vrai. Ça peut être pas mal. Il y a un... Ah oui, je vois de chemin de fer. Avec tout un bordel, ça ressemble pas mal à ça, vite fait. Y a des noms de rue un peu. Là. Michelet. J'ai pas un Michelet là. Beauchamp, Leleu. Leleu. Moi j'ai Lulu dans le chat. C'est pareil ou pas? Non, ça a pas l'air d'être là. Je vais suivre la truc et je vais chercher Michelet. A chaque fois qu'il y a une truc, je vais chercher Michelet. Non, mais ça ressemble pas à ça. Ah, ici peut-être un peu. Vite fait, non. En plus. Ah, ici. Voici, non. Ah, Michelet! Oui, j'ai trouvé où je suis! Oh, oh, oh! Pardon. Je suis arrivé de là, je crois. Hein. Merde, je sais plus. Je crois que je suis arrivé de cette rue-là. Voici. Je crois que je suis arrivé de cette rue-là, mais je suis pas sûr. C'est dur de remonter le chemin en sachant que... Vas-y, je retourne au départ. Peut-être trouver le nom de la rue comme ça. En plus, il me reste une bonne minute 40. Là, on est bien. Putain, ça allait vite là, heureusement que c'est Taverny. Hein. Allée des Mésanges. Allée des Mésanges, ça va être un coin paumé là. Je suis sûr que je suis venu par là, là. Allée des Mésanges. Oh yes! Oh mon dieu, ça va être un 5000 points celui-là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le 5000 points, vous le sentez venir, le 5000 points. Pouah, comme je suis plus proche que l'OREM là. Regardez ça. Allez.
Ouais, tu vois, je suis content de faire 5000 points, puis tous les autres sont aussi à 5000 points. Comment tu... Super, quoi. Je suis content, mais derrière, ils disent, bah, moi aussi, hein. C'était pas dur, hein. C'était pas dur. J'ai pas trouvé ça dur. Et bah, moi, j'ai réussi parce que je connais Taverny. Voilà. Oh, merde, voilà. C'est le dernier. C'était pas dur. Alors, je vais te bannir. Comment ça se passe? Bon, on est encore à Paris ou on peut enfin aller ailleurs? À un moment donné, je commence à me demander si j'ai pas cliqué sur Île-de-France, là. Tiens, je vais voir le numéro de téléphone. 01? Ça va me gaver. T'as un numéro de téléphone, toi? Non, évidemment. Toi, t'es pauvre. La Poste. Y'a pas le nom de la ville sur La Poste? Hôtel. La Poste. Ah! Ah bah voilà! Ça, ça donne l'indice qu'il faut! Ça, c'est l'indice qu'il faut! Direct, on sait dans quelle ville on est, là. Paf, paf, pif, paf, pouf. Pif, paf, pif, 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 pif. Ok, ça ne m'aide pas. Y'a pas des petits numéros de rue, là? Des petites départementales. On les aime bien, celles-là. Les petites départementales. Ouais, c'est bien, ça. Ouais. Là, on est bien. Gendarmerie, il y en a partout, des gendarmeries, loulou. Au moins... c'est marrant, ça peut... au moins, on n'est pas à Paris, et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Bon, il n'y a pas des noms de bled, là? Nom de bled. Ok. Ok, ok, donc là, ça va vite, déjà, ça fait plaisir. Un bon gros rond-point, comme ça. Genre, non, il n'y a pas un petit rond-point qui fait... Là, ça. Deux mèches avec vous. Clinique vétérinaire. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ouais, moi, j'y vais au rond-point. J'en suis là. Crédit mutuel, non. Mais en même temps, on n'est pas loin de ça, logiquement. Ça, peut-être. Edit... Hein, quoi? La table du... La table d'Edouard. Hôtel Ibis. Lidl. J'ai pas de Lidl, moi. J'ai un café-brasserie. J'ai une... Les délices de... Ah, bah, délices de château. J'ai pas vu un truc délice. C'est pas ici, là? J'ai pas un petit délice de quelque chose, là? Qui cherche les délices? Bon, nom de rue. On va arrêter de faire le con, hein. Le mec, il veut deviner au rond-point, quoi. J'en ai marre. La Poste! Ça, si, ça peut être marqué, ça. Ah, La Poste! Crédit mutuel. C'est ça. Je cherche La Poste. Toilette publique. Je cherche La Poste. Chronographe, non. Peut-être de l'autre côté. En même temps, je cherche tout le temps du même côté, comme un gros débile. Contrôle technique, le pendule, le poussin rouge, le clair, Noroto. Allez, La Poste, ça ressemble à quoi, La Poste? La Poste, là! Oui, le rond-point, c'est celui-là, au délice du château. Ok, c'est bon. Et moi, j'arrive de là. Du côté où il y a La Poste. Donc de là. Non, de là. Où est-ce qu'elle est, où, La Poste? J'ai perdu. Là. Et on était où au début? On était justement là. On est au niveau de La Poste, il n'y a pas plus simple. Il est facile, ce jeu, un peu. On se fait chier, non? Qui se fait chier, là, dans la salle? Là, je me fais chier un peu. Voilà. Ouais, hibiscus, bah voilà. Et bah voilà. Hibiscus, hibiscus. Enfin, à un moment donné... Non, mais là, voilà, quoi. À un moment donné, le jeu est si facile. Et au bout d'un moment, c'est fatigant. Moi, je trouve ça chiant. Perso, je trouve ça chiant. Après, Ah ouais, ça peut choquer. Je suis d'accord. Ah, ça peut rechoquer, même si j'ai rien dit. Non, là, par contre, faut se calmer. Oh, on se calme, là. France, c'est facile comme map. Il y a des panneaux partout. C'est pas faux. La Croatie, c'est plus compliqué. niveau points, là. View summary. Franchement, j'ai presque les 25 000. Mais bon, j'imagine que vous les savez. Voilà. Et voilà, je suis que fucking troisième, bravo.
Ah, t'as même pas 25 000 Luluberlu. Mais tu me bats quand même, espèce de petite. Eh ben, bien joué à vous. De m'avoir battu. C'est super. Je l'ai pas mauvaise du tout. Et ben, je suis tellement en forme que même si 19h, je m'en fais un petit dernier. Allez, on fait World, parce que vous avez demandé World. Allez, c'est bon. Allez, on se fait plaisir, on se fait du monde entier, on se fait, voilà, un peu de voyage, un peu d'exotisme. C'est parti. Start the game. Mais attends, mais on est en France, là. Je fais World direct, on est en France. C'est foutage de gueule. Il a voulu faire une transition douce, le jeu. Il a pas voulu nous choquer trop vite, s'est dit, bon, ils ont joué France juste avant. On va rester sur France. Là, je suis en train de suivre le bus parce que je me dis qu'il y a peut-être un indice dessus. J'ai très envie de savoir. Eliès bus, ça veut rien dire. Je peux pas passer devant le bus. Je peux passer devant le bus. Ah, je suis têtu. Hein. Moi, je peux attendre longtemps. Je peux passer devant le bus. Devant le bus. Oh! Oh! Bon, alors! Il a disparu, le bus. Il est plus là, le bus. Bon, ah ah ah. Oh putain, je sais pas où c'est ça. Je crois que je l'ai déjà vu en plus cette ville, bordel de merde. Putain, je suis sûr que vous avez déjà guess quoi. Ma guess. J'ai envie de tenter par là, vu le nom de la rue, mais c'est très osé, n'est-ce pas? Il y a un Anthony, vous criez. Bon, je clique là déjà pour être en France. Ah! Bon. On va essayer de se trouver une route un peu principale. À force d'aller tout droit, peut-être qu'on va y arriver. Parce que là, on est dans le monde. Donc ce qui est bien dans le monde, c'est que limite tu cliques sur la ville, c'est déjà bien quoi. T'as déjà beaucoup de points. Il y a une route principale là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Palaiso et Étampe, putain. C'est donc je connais, mais je sais pas, j'arrive pas à les situer. Je suis sûr de les avoir déjà croisés, ces noms, bordel de... Bordel de fesses. Ah merci! Me faire ravitailler. C'est une boisson à framboise et bouton de rose. J'ai jamais goûté. Attends, elle est toute fraîche. Plaisir. Au savoyard. Non, c'est pas possible. Étang ? Mais non. C'est pas encore un rétapé hein, qu'il y a devant moi, là ? Non, c'est parce que c'est de la bouffe savoyarde. C'est pas mal. Framboise, bouton de rose. Y'a pas une petite autoroute là? Ah, attends. Non, y'a un panneau là. Ah, t'arrives pas à l'ouvrir. J'arrive. Et tu me fais perdre du temps pour le géoguesseur. Puis fais-toi un peu les muscles hein. Quand même. Ah, attendez, regardez, il y a une carte d'Afrique. En fait, on est en Afrique. Qui pète un câble. J'ai dit qu'il y avait vu un panneau, là. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. On était pas du tout là, donc. La 10. Anthony. J'ai dit quoi? Étampe. C'est pas vers Paris. Ah, Étampe. Mais oui, c'est vers Paris encore, putain de merde. Ils connaissent que Paris, quoi. Paris par-ci, Paris par-là. Gna gna gna. En France, il n'existe qu'une seule ville, c'est Paris. C'est les années de France. Tout le reste, ça pue. Anthony, voilà, c'est encore à Paris, putain de merde. J'avais un doute en plus tout à l'heure. Bon, et alors? Au moins, j'ai la ville. Nom de rue.
Putain, mais on a fait France, on a eu 4 fois l'Île-de-France. Là, on fait World, on a eu l'Île-de-France, quoi. J'en ai marre. C'est de la merde. Ah oui, rue des Barates, c'est ça. Rue des Barates et Marin le Messleux. Est-ce que je peux trouver ça comme ça ou c'est trop demandé? J'y vais au feeling. On est abonné à l'Île-de-France, quoi. Je suis sûr que le prochain, c'est l'Île-de-France. Hein. Et les gens ils vont dire, non, c'est pas l'Île-de-France, parce qu'évidemment, ils auront déjà guess, ils seront déjà au suivant, bordel de... Et qui vont m'énerver tout le temps. Ne crachons pas sur le moteur économique de la France. Ouais, le moteur économique. Moi, je vois plus les métros, ça sent la pisse, mais bon, chacun sa vision des choses. Allez, petit rabat, montre-toi. C'est sûr que t'es là, là. Ah, parfois, il faut trop zoomer pour aller dans la rue, quoi. C'est pas possible. Bah, moi, je crache dessus. Ouais, si j'ai envie de cracher, je fais, non? Je suis assez grand pour cracher tout seul. C'est pas l'OREM qui va me dire de pas cracher. Bon, cette boisson. C'est quoi cette rue? Elle a l'air plutôt longue. C'est celle-ci, les rabattes? Les rabattes, ça a l'air d'être une bonne petite rue, quand même. Bon, c'est fini. Les gens, je peux encore trouver. Mais... Toi, c'est pas les rabattes? Non. Ah, le pire, c'est que j'étais en train de regarder un peu par là. Et voilà, voilà. Monsieur, il guesse à côté. Il est content. Il est content. Ah bah voilà. Super, quoi. Ouais, ils ont tous guessé au bon endroit. Et bah, moi j'ai pas trouvé le rue des Rabattes. Bah voilà. En plus, c'est une putain de rue, hein, rue des Rabattes. Mais regarde. Ah, si, quand même. Ah, mais c'est con en fait. Là, tu vois le nom de la rue. Là, tu vois pas. Là, tu vois le nom de la rue. J'aurais dû, genre, dézoomer un peu. Et me dire, c'est une grande rue. Et... Faut que je raisonne comme ça. Une grande rue, ça doit se voir en, un peu de loin. Mais bon, hey, j'ai perdu que. Tu vois, ça qui est bien avec le monde. J'ai déjà trouvé la bonne ville, le bon pays. Tu vois, il me manque juste 6 points. Alors, déjà, quand on regarde le soleil, il est plutôt au sud, donc on est dans l'hémisphère nord. Ça ne n'aide pas. C'est bon. T'es plutôt content de le voir au nord, comme ça tu dis c'est l'hémisphère sud, il y a beaucoup moins de pays. Et là, on va marcher pendant 10 ans. Ça va être génial. Oh yeah. Oui, oui, oui. C'est tout en anglais. Après, je connais pas assez bien pour savoir si ça, c'est genre forcément les États-Unis ou... C'est pas l'Angleterre. Ce symbole-là, il apparaît là parfois ou pas? Il y a celui-là, ça, je le connais bien. Pas trop, hein. Pas en bleu comme ça. Canada, peut-être? Ah, Canada, ça pourrait, non? Ah non, c'est pas le même symbole. Pas tout à fait le même symbole, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas là? Je sais pas. Ouais, pour l'instant, je mets le Canada histoire de. Mais bon, Canada où il fait pas froid, quoi. Enfin, Canada tranquille. En même temps, hémisphère nord où ça parle anglais un peu. Ouais, avec des panneaux comme ça, je sais pas. Do not pass. Ok, notre. No passing zone. Bah, je passe quand même. C'est ce que je veux. Pouvoir moi. Et pareil les lignes jaunes ça fait très Amérique États-Unis je sais pas ça peut être Canada aussi moi je partirais bien pour le Canada mais c'est peut-être une toute petite route peut-être qu'elle s'affiche pas comme ça je sais pas c'est le symbole qui me faisait bizarre petit bleu comme ça avec la pointe vers le haut on a une musique love là. Ouh. Salut toi. Ouh. Ça va chérie. Toi aussi t'es perdu sur Gergesser. Ah, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Non. Non pas maintenant. Je suis pas prêt. Oh.
Ah, un panneau. Ça, c'est pareil. Je suis sûr qu'il y a un... ce panneau, c'est ça même plus, c'est forcément l'Australie. Mais l'Australie, c'est pas hémisphère nord, donc ça peut pas être ça. On est d'accord que le soleil... Bon, là, il est caché. Ça m'aide pas. Il me semble que ces panneaux, c'était l'Australie. En Australie, il y a des panneaux dans ce genre-là ou pas? Ah, il y en a aussi, ouais. Merde, c'est l'Australie, là? Ne me dites pas que vous avez guess avec 5000 points, ça va m'agacer. Ah, notre panneau. American Legion, bah, ça doit être du Amérique. Ok. Ah, à moins que... Galesburg... ND... ND, c'est le... l'état. Ah, attends. ND... Ah, attends, quand on dézoome. C'est bien, ça. Nevada, peut-être. C'est pas celui qui est là, le Nevada? Non. NE, Nevada. Nebraska. Nevada, il est où? Nevada, c'est quoi? C'est NV. Ouais, moi, c'est ND que je cherche. NC, NH, NS, j'ai pas de ND. Faut que tu sois aveugle quoi. Ah si, ND là. Ok, Galesburg. Ça, c'est un petit panneau perdu au milieu de nulle part quoi. Si je trouve avec ça, c'est un truc de dingue. Galesburg. Après, il y avait la route numéro 5. Ça n'a pas à s'afficher comme ça, alors. Est-ce que c'est ces numéros-là, peut-être? Il y a des numéros en rond comme ça, et des numéros un peu jolis comme ça. Lequel je dois regarder? Allez, mets-moi un 5, s'il te plaît. Là, 5. Je suis pas sûr que ce soit ce 5 là. Là, je vois Galesburg. Galesburg. Moi, je verrais bien un 5, mais avec le petit truc joli comme ça, là. Galesburg. Où es-tu, mon petit Galesburg? Ça parle moins dans le chat, hein. C'est concentré, hein. Oh, on était pas loin. Et t'as plus de points. Ah non, c'est moi qui ai le plus de points. Papaou! 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 Alors? Il y a un Galesburg au moins. Et il y a une route 5. Ah ouais, non mais d'accord, c'est cette route 5 là. Je m'incline. Ah ouais, vas-y, baisse les yeux là. Baisse les yeux. Tu baisses les yeux, hein. Il n'y a pas de Galesburg, mais au moins j'ai eu le ND qui m'a vachement aidé. Ah, il n'y a pas de Galesburg, je sais pas. Je sais pas à quoi ça fait référence. Est-ce que toi t'as cliqué là parce qu'il y avait un Galesburg? Non. Ok, cool! C'est un bon premier, enfin deuxième round parce que le premier c'était Paris. Oh my god! Est-ce que c'est du japonais ça? Ça a l'air d'être du japonais, ça. Ouais, c'est du japonais. Ça roule à gauche en plus. Cherche pas. Japon! Hello, hello! Petit Japon! Toi, tu dis quoi, toi? Je suis sûr que tu dis un truc super intéressant. Genre, taxi de la ville de... Daichikotsu? Kautsu? 4400 points, je suis assez content de moi. Pour lequel? Pour les États-Unis là? Si c'est ça, tu m'as battu largement.
Bon, putain, je sais pas comment t'as fait. Je sais pas quel élément t'as pu trouver. Moi, déjà, j'ai eu la chance d'avoir trouvé un tout petit panneau où j'avais trouvé le nom de l'état. Déjà, j'étais content avec ça, quoi. Il y a des panneaux là-bas, je crois. Bon, après, des panneaux japonais, lol, quoi. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Otaru, Teine, Ebetsu, Tobetsu, Makomanai, Toyoira. J'avais déjà le pays assez vite et les panneaux après. King Obol, oh, d'accord. C'était chat. Joli quand même. Et t'as eu le pays vachement vite. Non, tu t'en sors bien alors que tu joues vraiment depuis peu de temps, quoi. Tu m'énerves. Je veux plus être ton copain. Je veux plus être ton copain! Sur le taxi, c'était marqué quoi, là? Tiens, toi, tu dis quoi, toi? Taxi aussi, mais on sait pas. Bah, attends, mais c'était ici qu'il y avait le... Ah non, c'était peut-être avant encore. Bon, on va trouver d'autres panneaux. Là-bas, il y a d'autres panneaux. Mais allez, c'est fatigant. Stylé quand même. Moi j'aime bien quand je suis comme ça dans les pays qu'on connaît pas, juste bah, prendre le temps de regarder en fait. Genre ça là, c'est quoi? C'est pour les vélos ça? Stylé ça. Bah lui si c'est ça il a pas compris mais... Il y a des vélos sur tous les trottoirs au Japon. C'est un délire. Allô? Ça m'aide tellement... En même temps, il y a des numéros de rue. Hein. C'est vrai que je connais pas trop les routes au Japon. Vas-y, c'est marqué quoi là, par exemple? 36, 12. 36, 12. Ah ouais, il y a moyen. Ah, on est peut-être dans le nord, alors. 12. Oh. Est-ce qu'on serait pas à Asahika, ce truc? C'est bien 36, hein, pas 39. Ah. La 12 est par faire où, là? 12 par là, là. Takikawa. 38. C'est toujours pas du 36. Ah, 36, Sapporo? Ouais, peut-être bien Sapporo, alors. Oh la vache, non mais regardez le nombre de rues qu'il y a juste... Attendez, là ça va. Tu dis, ouais, petite bourgade française, ok? Là, tu dis, ah, non quand même, c'est... Il y a quand même du monde, quoi, c'est une bonne ville. C'est pas Paris non plus, mais... Ah! 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 Mais quoi? Comment tu veux trouver un truc là-dedans, hein? Là, j'ai eu 5000 points, j'ai trouvé la rue exacte. Vas-y, on recommence là. Y a pas un truc hyper important, genre Panasonic, voilà, parfait. C'est genre, si c'était important. Je sais pas, une gare de... Y'a un train, là, non? Ah non, j'ai cru qu'il y avait une voie de chemin de fer. IMAX, cinéma, machin. Y a pas un nom de quartier. Y avait des noms, mais je les ai oubliés. No Lie, Strawberry Field, honnêtement. United Cinema. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les hôpitaux. Ouais, c'est les... Non, je sais pas. Nom de quartier, quoi. Je sais pas s'ils sont marqués, les noms de quartier.
C'est une horreur, cette gorge. Quoi? Mais... Ah non, mais genre, t'as trouvé. Comment t'as fait? C'est pas possible. Ah, mais si, il y avait la route 12, là. Ouais, encore, je sais pas si ça m'aurait aidé. Hein. C'est où? J'ai cliqué vraiment pas loin. Je suis plutôt content, j'ai perdu que 2 points sur celui-là. Et le hasard a fait que j'aurais pu cliquer vraiment n'importe où, quoi. J'ai juste cliqué sur la ville comme un débile. Mais comment tu peux trouver le bon endroit exactement, quoi? Que là, ok, il y a genre la ligne 12, la route 12, j'ai pas compris qu'elle était vraiment à côté. Mais après, la 12, elle fait toute la ville, quoi. Peut-être que si tu trouves la route, quoi, 5, j'ai du mal à me repérer, moi. J'ai l'impression que toutes les routes sont à peu près de la même taille et tout. Bon, bah, joli. La rivière et le bâtiment. Bizarre à l'est. J'ai pas vu de bâtiment bizarre, mais ok. À l'est, c'est-à-dire que t'aurais repéré un bâtiment qui serait là. Genre celui-là, United... Ah, le cinéma! Et la rivière, je l'ai pas vu, moi. T'as dû continuer longtemps sur cette route pour la trouver. Lui, oui, ouais, c'est vrai que le cinéma est particulier. Ah, c'est fou, parce que cinéma, c'est marqué... Putain... J'avais lu United Cinema et en plus si j'avais ouvert les yeux. En même temps, je sais pas si j'étais à ce zoom là. Puis encore une fois, là c'est facile de savoir que c'est là, mais ça pourrait être genre n'importe où en ville. Et là, le cinéma il est pas marqué quoi. Ouais. Ouais, j'ai eu 2 points quand même, j'ai eu de la chance. Alors, ça fait vite américain ça. C'est peut-être un piège. C'est une ville ça? Je suis sûr qu'il y a marqué le. J'arrive rien à lire. Je sais pas si Moore, c'est une ville aux États-Unis, c'est connu. J'ai un peu de style de musique là pour varier. Ah bah, lofi hip-hop. Hip-hop, hip-hip-hip-hop, pera bera hip-hip-tam, et non-stop, et non-mana, tous ensemble, ouais. Ça, c'est on est dedans. Ça... ça c'est ce que j'aime pas dans... Ça c'est sûrement américain. Je sais pas où est la sortie, genre. Je sais pas. Ah, si, j'ai peut-être trouvé là. Ah. C'est toujours le même délire. Il rentre, puis après, ça s'ouvre dans tous les sens, là. Pour moi, c'est États-Unis. Hein, déjà. Alors, là, il y a peut-être un panneau qui me dit « Eh, vous êtes dans l'état, machin. » Alors, cool, machin, truc. Et puis lab. Putain, c'est chiant cette gorge. Là, 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 là. Le United Methodist Church. Ok. Methodist, je ne connaissais pas ça. Oh, je viens de me rappeler que demain après le boulot, on va se manger un burger et aller au cinéma voir Batman. Ça va être trop bien! Oui, 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 c'est ça ma vie. Je croque la vie à pleines dents sous les projecteurs. Beach, ah, ça c'est Milton et Beach. On serait plutôt sur un bord de mer. Mais bon, bord de mer, il y en a une chier. Milton. Je pense que je voyage pas assez, moi, quand je...
Je pense que vous bougez beaucoup plus, vous, quand vous jouez. Moi, j'aime bien aussi regarder les décors. Et surtout, j'adore trouver l'indice autrement que par les numéros de route et tout. Juste, tu sais, genre, tu regardes le bon panneau au bon moment, une petite pub ou... L'autre fois, il y avait un mec qui portait un t-shirt où c'était marqué Normandie. C'était pas vraiment la Normandie, mais moi, ça m'avait donné un indice. Je trouvais ça chouette. J'aime bien trouver le lieu autrement que par les routes, quoi. Ça me fait rire. C'est marrant, ils ont pas beaucoup de prix différents, eux. Nous, c'est une armée de prix. Tous les essences, les gasoils différents. C'est marqué quoi, là? Corridor, machin. C'est marqué SR24. Captain Pizza. Ça, c'est stylé. Wouh! Dans la musique, j'ai entendu. Wouh! 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 Dans la musique, j'ai entendu. Wouh! 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 Je m'entends moi-même dans le salon. Il y a ma chérie qui regarde mon live. Je m'entends crier avec du retard. Ça me fait marrer. 5, c'est quoi? C'est une petite route encore, ça, 5, non? Allez, on va essayer de marcher loin. Pour trouver l'indice ultime. Le gars a l'air de ouf, pareil. À mon avis, c'est les États-Unis, mais c'est tout ce que j'ai. Si, j'ai vu Beach, donc on est peut-être proche de la mer. Là, dans le doute, je vais me mettre plutôt par là. Ça me fera peut-être plus de points. Ah, j'aurais dû aller vers le beach. C'était où? Je sais pas si c'est un bon indice de voir la mer, mais... que c'est par là. Oh, il y a un McDonald's. Dude. But this is McDonald's. Non. McDonald's. Ah, vas-y, je vais faire ça. C'est où, c'est où? C'est là. Woo! 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 Je peux pas les bourriner. Je suis trop déçu. 345 points, mauvaise côte. Ah merde, je suis sûrement sur la mauvaise côte, là. Taormina, je sais pas. Attends, ah si, je suis sur la bonne côte, moi. 3600 points quand même, hein, alors que je suis méga loin. Enfin, méga loin, en vrai, ça va, t'as la chance, eh. Et heureusement qu'il y avait le mot beach, hein. Et non pas l'insulte. Allez, ce sera le dernier pour ce soir, mes amis. Êtes-vous prêts? Dernier pour ce soir, mes amis. Êtes-vous prêts? T'as géré, ouais. On passe au drive, j'ai faim. Ah ouais. Demain, c'est burger. Désolé, les copains sont arrivés pour l'apéro. Eh bien, bon apéro à toi, Pierre Le Rock. Fais gaffe, il faut boire l'alcool avec modération, mon cher. Je l'ai lu quelque part, je sais plus. Quelqu'un me l'a dit une fois, je sais plus. Je sais pas pourquoi. Give your claws. Est-ce que ça roule à gauche? Ça roule à gauche. Ça moule à gaufre. Ça moule à gaufre, les amis. Pourquoi je le sentirais bien là? Il y a le soleil un peu là. Merci Pierre Rack pour ton bon game. On a presque fini là. On y croit. Keep left. Ça, j'avais compris. Ah, mais on peut pas être en Angleterre. Le train, il ressemblait à un vrai train. Pas dégueulasse et tout. Plutôt en bonne qualité. Lol. Left lane ends. Comme ça, left lane ends. C'est bon, maintenant vous pouvez rouler à droite. T'imagines, c'est un pays où t'as certaines routes où tu dois rouler à droite et d'autres à gauche, t'sais. Le bordel. Tu sais pas pourquoi, c'est gratuit. T'sais. À un moment donné, tu te dis, bon, finalement, on va aller, hop. Allez, on va changer. Point AU.
.com.au, ça c'est bizarre. Australie, ah, il roule à gauche en Australie. Oh, j'avoue, ça fait pas très anglais. Hein. Taylor Lakes, Caroline Spring. Mais il roule à gauche. En Australie, il roule à gauche ou pas? Je partirais bien pour l'Australie, finalement. Kings Road. 77, 40. 40. Si c'est ça, c'est un coup de chance de pas possible. Et l'autre, on a dit 77. Non, la 40 est pas très longue là. Mais est-ce que c'est aussi par. Pas par département, mais. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais... Est-ce qu'il y a un autre 40 ailleurs, par exemple? Genre là. Là, c'est plus des A là. B. C'est bizarre, c'est pas la même façon de montrer les routes, selon si on est à l'est ou à l'ouest. En Australie, c'est un truc de ouf. Du coup, je vais retourner là-bas, mais plutôt en haut. Ouais, c'est étonnant, là, ça fait très américain, alors que l'autre de côté, ça fait presque... Là, c'est un mélange un peu, c'est trop bizarre. Je découvre des choses. Ah bah non, là aussi. Ouais, bizarre. On a dit 77 et 40. 77, il y en a une là. Mais il n'y a pas de 40. Ouais, je fais fausse route, je pense. Bowen et Taylor's Lakes. Ils parlent de lac. Ouais, il y a des lacs. Queensland. Ah, attends. Ouais, non. Oh bah écoute, je sais pas. Ah, mais c'est pas encore cette histoire de. Y a pas le soleil là? Il serait là le soleil? Ah, il est plutôt au nord. Ah, putain, je crois que je sais où c'est. C'est pas là encore? Putain, je suis sûr que c'est là. Alors attends, j'avais quoi comme route? Oh! Quoi? C'était quoi? 40 et 77, je m'en souviens. C'est pas là par hasard. Ça a pas l'air de monter si haut les chiffres. Merde. En même temps, je suis con, l'Australie aussi, c'est dans l'hémisphère sud. Non, j'aurais bien l'Australie, mais. Je sais pas. Non, mais je passe trop de temps sur la carte. Il reste plus que 50 secondes. Je suis une grosse merde. Y'a pas une direction Melbourne là pour me rendre les choses plus simples. C'est pas rouge. Je ne sais pas où c'est. Vas-y, je vais cliquer là au cas où. Il reste plus que 2 secondes. Oh! En plus, c'était Melbourne, mais je disais ça au pif. Pourquoi j'ai pas cliqué sur Melbourne? Putain, heureusement que je l'ai cliqué au dernier moment sur l'Australie. Hein. J'aurais pas eu autant de points. Moi, je suis à côté. Moi, je suis tout de suite. Donc c'était bien ça, donc à gauche avec ce genre de truc, ok. Et le 40, ah ouais mais c'était une petite 40 quoi. Ah ouais ok, c'est pour ça. C'est con, j'avais trouvé l'histoire du 40 et du 77 et tout. Mais j'ai atterri en Philippines. Ah non moi ça va, j'ai vraiment...
Ah putain, j'avais parlé de Melbourne au pif, j'aurais dû... Oh là là, je suis deg. J'ai vraiment dit à un moment donné... Bon, vous pouvez même pas mettre un panneau Melbourne. C'est vrai en plus, putain de merde, on était à Melbourne, il y a pas de panneau Melbourne. En même temps, on est peut-être déjà dedans Melbourne, du coup ça sert à rien de mettre Melbourne si on est déjà dans le... Aïe 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 aïe, putain, j'ai dit ça au pif. J'avais un putain d'instinct, j'aurais dû cliquer sur Melbourne. Mais je me balade pas assez dans les maps. Dès que je trouve 3 indices, je m'arrête sur la map pour essayer de trouver. Il faut pas. Bon, je suis mon dernier. Oh, je suis deuxième. Vas-y. Bah, Lulu Berlu. Bah, pourquoi il y a un zéro, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai rien en dessous de 3350. Mais c'est le dernier que j'ai eu, j'aurais pu avoir plus. Je suis plutôt content en vrai. Mais j'ai jamais eu de 5000 par contre. Alors que l'OREM, tranquille, voilà, 5000 par-ci, 5000 par-là, prout prout. Le deuxième c'était quoi? C'était pas le Japon? Non, le Japon il avait trouvé. Ouf tout. Et le 3 le Japon. Lol. Le deuxième c'était quoi? Ah mais le premier c'était la France, donc en fait c'est ce que je vois comme le deuxième, en fait c'est le premier. Ah oui, celui-là on n'avait pas trouvé, ouais. Il y en a au moins un où il l'a pas trouvé, le Lorem. Ça fait plaisir de voir ça quand même. Je me demande un truc. Je vais bientôt m'arrêter parce qu'il faut que j'aille manger, mais je veux juste tester un truc. Si par exemple je prends la France, ça fait plaisir de me voir échouer. Bah non, parce que t'échoues pas. Eh bah ouais. Ah ouais, on peut vraiment. Vas-y, entendre ça. Une minute en France, ok? On a 5 fois une minute. C'est parti, mes loulous. Alors, vite. Alors, t'en es paumé en plus. Là, vite! Tu me fais perdre du temps en plus, quoi. Il se permet de faire perdre du temps. C'est impossible, rue de l'église, on s'en fout. C'est un bled paumé. Je clique n'importe où en France, je panique. Y'a pas de poubelle? Facile la France, il y a que Paris. Non, il y a pas que Paris. Là, je suis pas à Paris là. T'as une minute pour trouver dans un coin paumé comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'arrive dans un poulailler. Qu'est-ce que tu veux faire? M'en fous du poulailler moi. J'ai cliqué n'importe où, c'est à la chance. C'est-à-dire que l'OREM il va faire 5000 points, il va guess exactement au bon endroit, ça m'énerve. Ah bah pas du tout. 278 points. On était à côté de Reims. L'OREM 0 points, bouh, not played. D'accord, allez voir. Il a trop le temps. Vite, vite, vite. Alors, encore un coin paumé. On peut pas tomber dans une ville? Ah non mais si à chaque fois on tombe dans les coins paumés. Ah si, attends, les poubelles. Poubelles, les poubelles. Là, il y a une poubelle, il y a un truc d'écrit sur la poubelle. Ah non, c'est quoi mettre dans la poubelle? Putain, en plus, c'est cramé, là, les photos, ici. Cramé, on peut dire que c'est le sud, vas-y. Hop là, il y a trop de soleil et du coup, c'est cramé. Bah, par là. Ah là, il y a des panneaux. Dis-moi qu'il y a un indice. Accès, piste, consultation, je sais pas quoi. Il y a aucun indice. Panique. Ah, bah ça a disparu. Oh non, on s'en fout. Bon bah, c'est mort. C'est vraiment... Mais arrête. Comment t'as pu te mettre là? Je te crois pas une seule seconde. T'as vraiment vu Saint-Médard en Jal et tu t'es dit c'est là, c'est bon? C'est à côté de Bordeaux. On avait vu Saint-Médard en Jal. Et alors? Et alors? Où est-ce que t'as vu Bordeaux? Je connais la ville, genre, tu connais la ville. T'es allé sur Google, ouais. Saint-Médard en Jal.
Moi aussi, si je vais sur Google, je connais la ville. Allez, next round. Un géant. Ça fait un peu plus ville, là. Il y a moyen. Oh! Un géant discount. c'est devenu nul. En se déplaçant, le magasin est devenu nul à chier. C'est pas une gare, ça? C'est que des noms de rue, je m'en fous des noms de rue. J'ai un nom de bled, moi. Édouard Bouillère. Genre. Périphérique. Périphérique, ça peut être Paris. Ça se tente. Pas du tout, c'était Toulouse. Jean Monsieur à Toulouse. Ah non, il a... Attends, c'est quoi? C'est dur de trouver des indices. J'ai pas regardé les poubelles, c'est pour ça. J'ai vu périph, je me suis dit c'est Paris. Allez, suivant. Un champ de blé. Vite, quel côté? Là-bas. Il y a un pont. Il y a sûrement un truc derrière. Vite! Au secours! Vite! Là, il va dire je connais ce champ. C'est là. Je connais cet épi de blé. Je connais le paysan. T'as intérêt à me dire que t'habites sur Bordeaux, hein, Lorem. Je te croirais jamais. Allez! Il reste peu de temps. Suspense. Dessenheim. Ah, les Heim. Les Heim, c'est vers le... C'est là où je crois, non? Y a pas des trucs Heim. Si, j'ai vu un Heim. Oh, c'était quoi, d'ailleurs? Ah non, c'était pas un Heim. Oh, j'étais pas loin! Les trucs Heim, c'est là, dans cette zone-là. Ok, ok, je remonte. C'est le dernier round, déjà. Ça va vite. Senon, les gens... Senon, il va dire, je connais Senon. Je fais mes vacances là-bas, tout le temps. C'est génial, Senon. Je suis jamais allé à Bordeaux. Bah tiens. C'est quoi ça? C'est un Serbin, je sais pas quoi. Non, mais y a pas des infos intéressantes là? Non, c'est pas. Je crois que c'était une mairie. Avance! Chelin. Pouancé. Saint-Herblon. Herblon. Ça me dit rien du tout pour le coup. Je te très bien pour une Bretagne, je sais pas pourquoi. C'est bon. C'est tout, il dit que c'était en Bretagne. Saint-Herblon, le fameux. Bon, alors on va voir que le tricheur a gagné. Attention, vous êtes prêts? J'ai tracé des lignes sur la France, quoi. Ça n'a aucun sens. Pourquoi on me voit plus? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, je vais remettre ma tête là parce que. En vrai, pourquoi on voit plus ma tête là de l'autre côté? Non, j'ai. Hein? Qu'est-ce que quoi? OBS, il en peut plus là. Depuis qu'il y a des mises à jour, ça marchait très bien, puis ils ont fait des mises à jour. Breakdown. Aïe aïe aïe, Mickaël, bon dernier. Lorem, c'est triste, il n'a pas réussi à faire les 25 000 points. Une grosse merde. En même temps, c'est extrêmement dur. Hein.
Ouais, j'ai eu de la chance sur les deux derniers. Sur les deux derniers, j'ai eu de la chance. On pourrait faire un combat en Suisse. Ouais, ça peut être marrant. Mais là, je vais aller... Il est quelle heure? 20h, ouais. Putain, ouais, il faut que j'aille manger. Bon, allez. On est plus que 4. Plus que 4. Plus que 4. Je peux faire deux raids. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été aussi nombreux. J'ai eu plein de monde que je connaissais pas sur le chat. J'ai eu quelques followers. C'est un plaisir. Sur ce, la grosse bise. À la prochaine. Prochain live. Dimanche, je joue avec Yuris sur Unravel 2. Après, il texte tout, c'est Unravel 2. Bisous au chien, exactement. Allez, bye.